face au Quateria, Patricia? C'est bien Olivier, d'accord. Bien, bonjour à tous. Je propose à Monsieur Pierre-Olivier Carrel de faire l'appel. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Monsieur le maire, présent. Patricia Vavassori. Présent. Pierre-Olivier Carrel, présent. Stéphanie Awad. Présent. Patrick Arceluz. Présent. Catherine Ventura. Présent. Pierre Mangon. Présent. Christine Provost. Présent. Fabrice Le Floch. Présent. Nathalie Regnault. Saba Bakir est excusé, on ne retrouve pas son pouvoir, donc on va le chercher, mais pour l'instant, il est excusé. Ninette Smadja a donné pouvoir à Monsieur le maire. Charles Messa Giraldo. Christine Ellis. Présent. Victorio Riccardi. Présent. Martine Roussel. Présent. Steve Chamborer. Présent. Daniel Maillot. Présent. Philippe Salio. Daniel Payot, Stéphanie Beaubry, Fabrice Cavana, Felipe do Espirito Santo, Marie-Pierre Carbonel, Khadija Chagid, Virginie Lefel, Johan Suani a donné pouvoir à Pierre Mangon, Salim Ansari, Christophe Pernès, Claude Capillon, Pierre Poinsignon a donné pouvoir à Monsieur Claude Capillon, Sylvie Jacaman a donné pouvoir à Monsieur Ivan Iskovitch. Fabien Parizet. Parise, pardon. Ivan Iskovitch. Katia D'Acosta. Shannon Seban. Magali Thibault. Bertine Bonheur. Salima Zerour a donné pouvoir à Monsieur Éric Béal. Fatia Keloua. Franck Delalande. Philippe Potre, Éric Béal. Monsieur le maire, nous sommes 42 présents ou représentés. Merci bien, Pierre-Olivier. Bien, je voudrais faire deux points pour commencer ce conseil. Tout d'abord, un point sur la vaccination et un point sur les violences urbaines qu'il y a eu quelques semaines sur un quartier de Rosny. Tout d'abord, vous donner quelques informations sur la campagne de vaccination. Donc nous avons demandé à l'ARS une dérogation qui nous permettrait d'ouvrir le centre de vaccination lundi prochain avec le vaccin AstraZeneca en attendant le Pfizer ou le Moderna. C'est plus de 500 doses par semaine que nous pourrions administrer aux Rhônéens âgés de 50 ans et plus. Le centre d'appel est prêt à rouvrir avec du personnel ville afin de recontacter les 1000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Les médecins de ville ont même commandé leur dose pour que l'équipe du docteur Benchimol et du CMS puissent vacciner. L'absence à cette heure d'accord est incompréhensible puisque l'ARS autorise les médecins à vacciner seulement 30 personnes par semaine dans leur cabinet sans tenir compte des lourdeurs administratives que génère la vaccination. Notre centre permettrait de mutualiser les moyens humains et logistiques et dégager nos médecins de ce travail supplémentaire. Vous le savez sans doute, un bus d'information du conseil départemental s'installera place de l'église mercredi prochain, 10 mars. Des ambassadeurs iront vers les Rhônéens pour combattre les fake news, mauvaises nouvelles ou fausses nouvelles, fausses idées, sur la vaccination et leur proposer des plages de rendez-vous de vaccination comme suit. Pour les personnes de plus de 75 ans en situation de précarité, la vaccination se déroulera au centre de la CPAM à Bobigny. Pour les autres, éventuellement dans les centres départementaux, notamment le plus proche, qui est à Noisy-le-Grand. Enfin, s'il n'y a pas de créneau qui puisse convenir, le conseil départemental constituera une liste d'attente qu'il nous transmettra, et cela ne fera que gonfler notre liste d'attente. Concernant le bus de vaccination pour nos résidences autonomie, le bus reviendra le lendemain, le jeudi 11 mars. À Rosny, sous bois, pour une opération de vaccination dans la résidence autonomie, pour 48 personnes seulement. Les résidents de
Camille Barrois, volontaires, pourront se faire vacciner ce jour-là. Pour le reste, et ceux de Croisat, les patients ont été inscrits sur la journée du 12 mars, comme je vous l'expliquerai ensuite. Concernant en effet la vaccination, la séance de vaccination à la CPAM de Bobigny. Le centre de Bobigny a réservé pour la ville de Rosny 100 places de vaccination durant la matinée du vendredi 12 mars. Cette vaccination s'adresse en priorité au public précaire. C'est le CCAS qui s'est chargé de contacter les patients et leur a proposé un transport en car. Il reste encore beaucoup de personnes éloignées de la vaccination, donc nous allons demander à la CPAM de débloquer d'autres créneaux. Un second aller-retour pour la deuxième injection aura lieu le 12 avril. Concernant les créneaux disponibles sur l'hôpital, les hôpitaux Avicenne et Jean Verdier, l'hôpital Avicenne a débloqué 30 plages pour les patients de plus de 75 ans le mercredi 10 mars. Nous allons donc emmener en car les 30 patients les plus âgés qui s'étaient inscrits le premier jour, le 25 janvier, sur notre liste d'attente. Quant à l'hôpital Jean Verdier, il a débloqué cette semaine 7 places qui ont été rapidement pourvues. Voilà, donc je tenais à vous faire part de ces informations, sachant que pour avoir eu donc notre sous-préfet il y a quelques jours, celui-ci en effet me parlait d'une accélération de l'arrivée des vaccins. Nous l'attendons tous avec une grande impatience et nous faisons tout pour que l'ensemble des Rhônéens qui le souhaitent puissent être vaccinés. En tout cas, je remercie donc le conseil départemental pour la mise à disposition de ce bus la semaine prochaine. Voilà donc cette information que je souhaitais vous donner. Deuxième information, donc cela concernait donc une question que Mme Thibault m'avait adressée. Donc en effet, Mme Thibault m'interrogeait sur les scènes de tension urbaine que nous avons pu connaître il y a quelques semaines dans un des quartiers de notre ville. Donc j'avais alors émis le souhait de l'évoquer en public, ce que je fais faire ce matin. Les violences qui sont produites, au premier rang desquelles celles dirigées contre le centre administratif Hoffmann, faisaient suite à une opération de police anti-stupéfiants qui s'est déroulée conjointement entre la police nationale et la police municipale. Au cours de cette opération, un individu a pris la fuite. Des motards appartenant aux effectifs départementaux de la police nationale et non au commissariat de Rosny, sous bois, ont pris en chasse l'individu qui était à pied. Un accrochage entre une moto de la police nationale avec le piéton en fuite s'en est suivi. Cet accident sans gravité a entraîné une émotion chez certains proches de l'individu accidenté. Si les violences ont pris fin et sont restées sporadiques, c'est grâce à la fine connaissance du terrain ainsi qu'au discernement et aux compétences des fonctionnaires de police, en particulier ceux de la police municipale, que je tiens aujourd'hui à remercier. Bien. Donc je vais maintenant vous demander si vous avez des remarques concernant le procès-verbal de notre précédent conseiller municipal, celui du samedi 13 février. Monsieur Capillon. Oui, bonjour monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. Lors du dernier conseil municipal, concernant la délibération sur l'emprunt des logements sociaux, je vous avais posé deux questions, à savoir le taux de logements sociaux à Rosny-sous-Bois au 31 décembre 2020 et la capacité à la ville de garantir des garanties d'emprunt. Vous étiez engagé à envoyer une réponse dans la semaine d'après aussi vous ne l'avez pas reçu. Pura, mais aussi aux conseils municipaux. À ce jour, nous n'avons rien reçu. Eh bien, vous l'aurez cette semaine, voilà, avec toutes mes excuses pour ce retard. Y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Donc, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien, nous allons maintenant pouvoir évoquer le budget 2021 de la ville de Rosny-sous-Bois. Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous en arrivons donc à un point important, la présentation et le vote du premier budget présenté par notre majorité. C'est un temps politique essentiel, puisque le budget contient les projets que nous souhaitons mettre en œuvre pour les Rhônéennes et les Rhônéens. C'est une étape clé de la réalisation de nos engagements électoraux. Toutefois, tout ne peut pas être mis en œuvre en 8 mois et les contraintes budgétaires, nous l'avons vu lors du débat sur les orientations budgétaires, sont très fortes.
Nous avons donc eu à cœur de trouver l'équilibre entre le respect des engagements antérieurs, les nécessités communales et nos inflexions politiques. J'ai la conviction que nous avons déjà réussi à imprimer notre marque dans ce budget, même s'il faudra bien la totalité du mandat pour mener à bien cette feuille de route. Je vais laisser Pierre Mangon le présenter plus précisément, mais je souhaite remercier dès à présent mon équipe municipale et l'administration pour le travail effectué lors de cette construction budgétaire. Dès le budget voté, bien sûr, nous mettrons tout en marche pour que chacun nous travaillons à l'exécuter. Monsieur Mangon, je vous laisse la parole pour la présentation de notre budget primitif. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose d'entrer dans le détail des grands équilibres de ce budget 2021 et des principales enveloppes proposées en essayant d'être exhaustif sans être trop long. Le Conseil municipal, après un débat riche et une écoute constructive de la part de la majorité, a pris acte le 13 février dernier, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, des grands équilibres envisagés pour le budget 2021, marqués par la disparition de la taxe d'habitation, qui restreint encore un peu plus le lien fiscal avec les habitants, mais également par le poids très significatif des projets initiés par la précédente majorité, qui pèsent lourdement dès 2021 sur nos charges de fonctionnement et nous restreignent largement dans la mise en place de nouveaux projets d'investissement en dehors des nouveaux groupes scolaires. À travers ce premier budget, nous confirmons qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux de fiscalité en 2021, ni d'augmentation des tarifs des activités municipales. Et nous tenons non seulement une promesse de campagne, mais agissons pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Rhônéens en cette période de crise sanitaire et économique. Pour faire face aux obligations du plan école et de l'entretien obligatoire des infrastructures et équipements publics, nous proposons cette année près de 33 millions d'euros de dépenses d'investissement nouvelles, dont 31,5 millions d'euros dès le BP, soit près de 40% de plus que le budget précédent. Je précise que l'exercice budgétaire 2020 n'est pas encore achevé et que les résultats ne sont pas encore définitivement arrêtés. Ils seront repris dans le budget supplémentaire 2021 lors du Conseil municipal de juin prochain. L'excédent 2020, qui devrait s'établir aux alentours d'un 1,5 million d'euros, est d'ores et déjà intégralement fléché vers les opérations du plan école, groupe scolaire, Simone Veil et Jean Mermoz. Vous pourrez naturellement retrouver une présentation détaillée de ce budget dans le rapport d'accompagnement qui vous a été envoyé il y a une semaine et qui reprend l'ensemble des éléments exposés lors de la commission ressources qui s'est tenue le 24 février dernier. Commission lors de laquelle j'ai regretté l'absence des deux membres du groupe URAM. Voyons à présent les chiffres essentiels du budget. Tout mouvement confondu, le budget primitif 2021 s'élève en dépenses et en recettes à 119 millions d'euros, en évolution de 10 millions d'euros, soit plus 9% par rapport aux inscriptions du BP 2020. Ce montant comporte à la fois des opérations réelles, c'est-à-dire donnant lieu à des mouvements de fonds, et des opérations d'ordre purement comptables, telles les amortissements, virements entre sections. Donc vous avez le tableau, la diapo affichée. Nous examinerons seulement les propositions réelles qui s'élèvent à près de 112 millions d'euros, donc 64 en dépenses, 74 millions pour le fonctionnement et 37 millions pour l'investissement, et en recettes, 81 millions pour le fonctionnement et 30 millions pour l'investissement, soit un total de 111 707 000. Nous allons examiner successivement chacune des deux sections qui composent le budget primitif 2021, en commençant par les grands équilibres de la section de fonctionnement, avant de vous présenter les principaux investissements. Donc dans la section de fonctionnement, les inscriptions s'élèvent en dépenses à 74 millions d'euros,
et en recettes à 81 millions d'euros. Examinons en premier lieu les dépenses qui progressent d'1,7 million d'euros, soit plus 2,4%. Avec 41 millions budgétés cette année, les charges de personnel évoluent peu. 500 000 euros de BPABP, plus 500 000 euros de BPABP, mais 200 000 euros seulement de plus que la réalisation finale 2020, qui devrait atteindre 40,8 millions d'euros. Pour cela, les créations de postes ont été limitées aux besoins indispensables pour faire fonctionner les nouveaux équipements qui ouvriront en 2021. Parc Nature du Plateau d'Avron et groupe scolaire Simone Veil. Ainsi que 2 opérateurs vidéo pour assurer un fonctionnement 24 heures sur 24, du centre de supervision urbaine, un chargé de mission innovation numérique à la fabrique artistique renéenne et une assistante pour renforcer la coordination gérontologique en charge de l'accompagnement de nos aînés les plus fragiles. Conformément au programme de notre majorité 2021, verra la création d'une brigade de l'environnement pour la sécurisation du parc de Césarie et du nouveau parc du plateau d'Avron, où rien n'avait été anticipé et lutté contre les incivilités environnementales, notamment la traque des dépôts sauvages. Par ailleurs, la ville préservera cette année encore le budget consacré à la formation des agents, 230 000 euros, ainsi que le renouvellement de l'adhésion au Comité national de l'action sociale, 230 000 euros, et la subvention à l'amicale du personnel, 40 000 euros. Elle engagera également une réflexion sur la mise en place d'un contrat de prévoyance pour ses agents. Les autres dépenses de fonctionnement évoluent fortement, plus 1,1 million d'euros, soit plus 4%, en grande partie du fait des coûts induits des nouveaux équipements lancés par la précédente municipalité ou encore de dépenses obligatoires sur lesquelles elle n'a aucune marge de manœuvre, appel de fonds exceptionnels pour les travaux de toiture de l'hôtel Bréman, qui est un boulet pour les finances de la commune depuis de nombreuses années, la taxe foncière liée à l'ex-clinique Hoffmann, intégrée en 2019 dans le patrimoine privé de la commune, hausse de la contribution obligatoire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Au final, les dépenses liées aux actions mises en place par la nouvelle majorité pèsent assez peu dans cette hausse. Le renforcement des activités périscolaires, des crédits d'entretien des espaces verts et de la lutte contre les animaux nuisibles, le retour du festival Musique au Parc, des animations en centre-ville et dans les quartiers, l'enrichissement de la programmation du théâtre et cinéma Georges Simenon. La ville maintient par ailleurs intégralement ses subventions aux associations, 2 100 000 euros, pour assurer la pérennité au-delà de la crise actuelle, bien que celles-ci aient vu leur activité réduite en 2020. Les taux d'intérêt demeurent à des niveaux très bas, ce qui permet de maintenir la prévision de frais financiers en dessous d'1,5 million. Enfin, la provision pour dépenses imprévues, qui aura servi ces deux dernières années à faire face aux dépenses exceptionnelles induites en 2019 par le péril imminent sur la copropriété du 21 rue des deux communes, et en 2020 à la crise sanitaire, est maintenue à 500 000 euros. Après les dépenses, voyons à présent les recettes de fonctionnement. Elles s'élèvent à 81,2 millions d'euros, en évolution de 1,5%, soit une progression de 1,2 million d'euros de BPABP. Avec la suppression confirmée de la taxe d'habitation, la ville ne percevra dès 2021 plus que de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. La perte de ressources liée, 22 millions d'euros, est intégralement compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière aux communes. Le delta étant versé sous forme d'un complément de taxe foncière via un coefficient correcteur qui sera calculé chaque année pour préserver la neutralité du dispositif.
La ville devrait ainsi percevoir près de 39 millions d'euros de taxes foncières en 2021, compte tenu de l'évolution estimée des bases, plus 1,2%, soit un peu plus de 400 000 euros par rapport aux recettes fiscales encaissées en 2020. Ce transfert sera totalement neutre sur l'avis d'imposition de taxes foncières des propriétaires rhônéens, et ce, en dehors de la revalorisation forfaitaire annuelle, particulièrement faible cette année, plus 0,2%, du fait du contexte d'inflation quasi nul. Les dotations que nous verse l'État, la dotation globale de fonctionnement ou DGF, la dotation de solidarité urbaine ou DSU, la dotation nationale de péréquation ou DNP, et les allocations compensatrices de fiscalité ne devraient que très peu évoluer et pourraient être globalement en légère baisse, moins 145 000 euros, par rapport au montant perçu en 2020, et ainsi s'établir légèrement en dessous des 8 millions d'euros. Les dispositifs de péréquation ne devraient quant à eux pas ou peu évoluer en 2021. La ville pourrait être légèrement contributrice au titre du FPIC, Fonds de péréquation intercommunale et communale. Elle devrait par ailleurs conserver cette année encore le bénéfice du Fonds de solidarité de la région Île-de-France, au titre duquel elle a perçu près de 950 000 euros en 2020. Les participations de nos partenaires institutionnels progressent légèrement du fait notamment du soutien financier de la CAF à la petite enfance, aux accueils périscolaires, aux activités organisées par le Cercle Boissière ou encore au soutien financier de la DRAC pour le théâtre et cinéma Simenon et à la fabrique artistique et numérique suite à la récente labellisation de ces deux structures par le ministère de la Culture. A contrario, la participation des usagers au financement des services publics est attendue en baisse, moins 450 000 euros. Malgré la hausse des effectifs scolaires et périscolaires, la crise sanitaire qui perdure, entraînant des réductions ou fermetures temporaires, de certaines activités. La prévision des droits de mutation a été prudemment reconduite à 1,5 million d'euros, bien que ceux-ci soient restés très dynamiques encore en 2020, plus de 2 millions d'euros de recettes. Les autres produits du domaine demeurent globalement stables, tout comme les autres redevances perçues auprès des délégataires de la ville, tels le centre nautique, le golf, les marchés forains. Enfin, il est à noter qu'aucune recette exceptionnelle n'a pu être inscrite au BP, en dehors des remboursements suite à des sinistres éventuels ou des ventes aux enchères de biens dont la ville n'aurait plus l'usage. La section d'investissement. Les dépenses atteignent près de 31,3 millions d'euros dès le budget primitif, soit près de 40% d'augmentation par rapport au budget précédent. Nous allons donc non seulement faire face aux engagements d'accueil de tous les élèves avec l'arrivée des nouvelles populations sur Rosny, mais nous tenons une promesse de campagne forte sur l'entretien des groupes scolaires, crèches et centres de loisirs existants et plus généralement de tous les équipements publics. Ces dépenses sont majoritairement consacrées aux investissements liés au plan école et plus largement au patrimoine scolaire, périscolaire et aux structures petite enfance, qui représentent à eux seuls près des deux tiers de ce nouveau budget. Vous pouvez prendre connaissance du détail des investissements qui seront réalisés cette année sur les deux diapositives suivantes. Pour les nouveaux équipements, les coteaux Beauclair, 9,215 millions d'euros. Simone Veil, 4,8 millions d'euros. Pour les équipements actuels, Mermoz, 2,870 millions d'euros pour financer les premiers travaux des deux nouveaux bâtiments scolaires. 120 000 euros pour la réfection de la toiture de l'école du centre. 120 000 euros pour la réfection des fenêtres des écoles Félix Éboué, 80 000 euros, et Marnaud, 40 000 euros, avec lancement d'études pour la rénovation des matériels de ces groupes scolaires, 100 000 euros. 140 000 euros de travaux de gros entretien des autres écoles, préaux de l'école du centre, 45 000 euros,
30 000 euros pour les sanitaires Félix Éboué et 17 000 euros pour l'office de restauration du groupe scolaire Boissière. 10 000 euros pour la salle des maîtres de l'école Étienne Dolé. 75 000 euros pour la reprise de la toiture mobile de la crèche Anne-Franck. 150 000 euros pour les aménagements extérieurs des écoles, clôtures, cours de jeu et mobilier extérieur. Dotation de 180 000 euros pour l'équipement du mobilier des crèches, des écoles et des centres de loisirs. Et 110 000 euros de dotation nouvelle des groupes scolaires pour doter les écoles d'un outil performant pour le PPMS, le plan particulier de mise en sûreté des écoles pour lutter contre les risques d'intrusion. Les autres dépenses d'équipement ayant trait pour l'essentiel à la réhabilitation et la mise en accessibilité des voiries communales et au plan vélo pour 3,4 millions d'euros, se rapprochant de la recommandation des services municipaux suite à une étude menée en 2017 d'une nécessité de 4 millions d'euros annuels pour maintenir le patrimoine en l'état, alors que la moyenne de ces dernières années était de moins de 2 millions d'euros. Aux travaux de voirie prévus, ils seront intégrés, bien entendu, des aménagements dédiés aux itinéraires cyclables seront de même poursuivies les actions de pédagogie à l'égard des scolaires. À l'achèvement de la phase 1 de l'aménagement du parc nature du plateau d'Avron, 2,3 millions d'euros, à l'amélioration du réseau d'éclairage public, 1,2 million d'euros, aux travaux de gros entretien des équipements culturels et sportifs, 855 000 euros, à l'achèvement du nouveau centre technique voirie rue Clément Ader, 590 000 euros, à la rénovation thermique du chapiteau de l'Énacre, 500 000 euros, aux travaux d'aménagement des cimetières, 420 000 euros, à l'embellissement des espaces verts, 375 000 euros, allée du parc de Césarie et renforcement du fleurissement de la ville. À l'extension du réseau de vidéoprotection et la mise en place d'un hyperviseur urbain, 370 000 euros, ou encore à la réhabilitation des locaux dédiés aux archives communales, 190 000 euros. Les recettes d'investissement se montent à 31,3 millions d'euros, en hausse de 38%, du fait en particulier de la progression de l'enveloppe d'emprunt. Le financement des équipements. Les investissements du plan école sont financés exclusivement via la participation de la SPL Paredef à l'opération Coteau-Beauclair au groupe scolaire du même nom pour 5 100 000 euros. Les subventions obtenues dans le cadre du volet plan de relance de la dotation de soutien à l'investissement local pour 1,9 million d'euros et de l'emprunt nouveau pour 11 800 000 euros. Les autres investissements de ce budget 2021 sont quant à eux financés par l'épargne dégagée par la section de fonctionnement 6,9 millions d'euros, la récupération de la TVA sur les dépenses d'équipement réalisées en 2020 3,6 millions d'euros, diverses subventions d'équipement essentiellement de la région pour 350 000 euros, la participation de la SPL à plusieurs opérations en lien avec la ZAC Coteau-Beauclair pour 526 000 euros et le produit des amendes pour 150 000 euros. Un petit focus maintenant sur la dette. L'encours de la dette est de 62,7 millions d'euros au 31-12-2020 et se montera au maximum à 85 millions d'euros fin 2021 si l'enveloppe d'emprunt 2021 est intégralement appelée, ce qui est peu probable puisqu'une partie des investissements sera reportée comme chaque année sur l'année suivante, soit 2022. La dette ne contient plus d'emprunt complexe et son taux global est historiquement bas. Je finirai en évoquant la fiscalité. Notre volonté de ne pas alourdir la fiscalité sur le mandat nous garantit de nous positionner durablement et de manière très favorable au sein de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui 16e sur 40. Voici ainsi résumé l'essentiel du budget 2021 de la ville
sur lequel vous êtes appelé à délibérer ce matin. Je terminerai mon intervention en remerciant Franck Lalmanach, DGA aux moyens généraux, et la direction financière avec son directeur Étienne Koulakoff pour leurs aides qui m'ont permis de présenter ce budget 2021. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Mangon. Comme vous avez pu le constater et entendu, donc, nous faisons un gros effort pour la préservation, bien sûr, de nos écoles et le développement de nos écoles sur notre ville, sachant qu'il y aura d'autres projets, d'autres quartiers qui seront dans l'avenir donc, dans ce plan école, puisque sur le côté Rosny-Sud, ce que nous appelons Rosny-Sud, donc il y a fortement une forte demande de création de nouvelles classes. Donc avec Madame Awad, nous sommes en train d'analyser ces besoins et de créer un nouveau plan pour que ce secteur de Rosny-Sud, Pré-Gentil, Jean Moulin, donc ne soit pas mis à mal et que nous puissions créer dans l'avenir de nouvelles écoles. Voilà, donc vous l'avez pu constater, une forte attention donc pour notre budget au plan école, au devenir de nos écoles, au maintien de nos écoles, des écoles qui pour beaucoup datent des années 1960, vous le savez, avec la création de ces nouveaux quartiers, ce développement de ces secteurs, tels le Bois-Perrier-Marnaud, bien sûr, et ces écoles ont besoin d'être rénovées, remises à niveau, et de grandes rénovations nécessaires. Ensuite, le cadre de vie, donc, était l'un de nos axes majeurs aussi de campagne, vous le constatez. Donc, après ce plan école, c'est essentiellement le cadre de vie qui intervient, qui a le budget le plus conséquent. Il pourrait être meilleur, mais il ne demande qu'à s'améliorer et nous ferons en sorte, bien sûr, qu'il évolue et qu'il soit toujours plus pour l'avenir de nos Rhônéens, parce qu'il est important que nous vivions dans un cadre de vie où chacun se sente à l'aise, avec des voiries normalisées, avec des espaces verts qui permettent, voilà, de faire en sorte que nous maintenions la troisième fleur, c'est important bien sûr, et que ces fleurs font partie bien sûr du cadre de vie, avec un plan vélo que nous allons continuer à mettre en place. Ensuite, la sécurité, qui est aussi l'un de nos axes majeurs, vous avez pu le constater, et un gros effort aussi sur la culture et l'animation, parce que nous considérons qu'en effet, après ces périodes de difficultés sanitaires, il y a un besoin aussi de retrouver une vie culturelle, une vie d'animation normale. Voilà, donc les grands axes majeurs de notre budget dans lesquels nous retrouvons principalement nos axes de campagne pour ce budget 2021. Je laisse la parole à Madame Thibault. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. L'intervention du groupe des élus Rosny écologique et solidaire se fera en deux temps et à deux voix avec mon collègue Éric Béal. Écoutez, lors du débat d'orientation budgétaire du mois dernier, vous avez pu nous exposer vos priorités et en partie l'état des finances locales. Notre groupe politique a pu vous faire part de ses priorités pour cette nouvelle année. Vous nous présentez un budget prévisionnel d'un montant de près de 119 millions d'euros, en augmentation de 10 millions d'euros par rapport à celui de l'année dernière. Ce budget que vous nous proposez repose à peu de choses près sur la même stratégie budgétaire pratiquée par l'ancienne majorité. C'est un budget classique d'une majorité de droite, rien de très étonnant, mais cela ne vous étonnera pas si nous ne partageons pas les grandes lignes de celui-ci, notamment en matière de priorité municipale. C'est aussi et surtout pour nous un budget qui, de notre point de vue, ne tient pas compte de la crise Covid et à laquelle nous devons faire face, surtout à ses conséquences économiques et sociales. La crise sanitaire dure et elle s'approfondit, la crise économique et sociale, sur fond de crise environnementale. Dans la période actuelle, le rôle d'une collectivité, particulièrement d'une ville, est de jouer un rôle majeur de bouclier social auprès des personnes vulnérables et de répondre aux défis du dérèglement climatique. Qu'avons-nous appris de la crise, ou plutôt qu'avez-vous appris de la crise ? Loin de nous l'idée de détenir l'ensemble des vérités et des bonnes réponses. Mais s'il y a bien un enseignement à tirer, c'est la nécessité de changer de modèle de société, une société plus sobre, plus solidaire et plus écologique. À Rosny, la démographie n'a cessé de croître et les moyens engagés par l'ancienne majorité n'ont pas été à la hauteur pour y répondre, et surtout pour anticiper les besoins en équipement et services publics des Rhônéens et des Rhônéennes, de toujours, mais également des nouveaux habitants. Ce budget devait donc être celui de l'audace, en engageant un plan de rattrapage exceptionnel, notamment en investissement dans les équipements publics et en engageant des actions fortes dans le domaine des solidarités et de l'environnement.
Malheureusement, et comme nous l'avons déploré au débat d'orientation budgétaire, celui-ci ne répond pas à nos attentes. C'est celui des occasions manquées. Vous allez me dire, Madame Thibault, le contexte est contraint et nous ne pouvons pas dépenser beaucoup plus. C'est vrai, le contexte, nous le connaissons, et il est le même pour bon nombre de collectivités. Néanmoins, en matière de dépenses d'investissement, notre groupe aurait opté pour une autre stratégie, en recourant de façon plus importante à l'emprunt, afin de pouvoir financer un plan de rattrapage pour les écoles de la ville et équipements culturels et sportifs, notamment pour les quartiers les plus délaissés. En effet, notre collectivité devrait profiter des taux d'intérêt historiquement bas, qui fait que le coût total des intérêts est égal quasiment à zéro. À Rosny, le coût de la dette reste faible, le trou global continuant de diminuer, au regard des conditions financières. En 2021, et M. Mangon l'a rappelé, la ville ne détiendra plus aucun produit à risque. Quel risque prenons-nous ? Vous n'avez pas opté pour cette stratégie financière, car le seul emprunt supplémentaire d'un montant d'un peu plus de 17 millions d'euros ne permettra que de répondre en grande partie à l'achèvement des trois nouveaux groupes scolaires. En matière d'éducation, je ne vais pas refaire le débat que nous avons eu au précédent conseil. Mais nous vous confirmons la faible part accordée au financement pour la rénovation des groupes scolaires, 412 000 euros sur un budget à peu près de 19 millions d'euros. Nous avons bien entendu vos réponses quant aux engagements sur les rénovations d'écoles. Vous devez d'abord engager des études pour affiner les besoins et le coût de ces rénovations. Mais là encore, nous avons du mal à croire que l'ancienne majorité n'avait pas déjà engagé des études, notamment pour le groupe scolaire du Bois-Perrier ou encore Henri Mondor. Nous en parlons depuis près de 6 ans. Pourquoi relancer de nouvelles études ? Par ailleurs, nous avons appris en commission ressources que les problèmes de chauffage qui sont survenus à l'école Henri Mondor étaient liés à des défaillances de l'entreprise Cofeli, titulaire du marché de chauffage, qui du coup a certainement eu des défauts d'entretien régulier de ses chaudières et que vous réfléchissez à l'instauration de pénalités. C'est assez incroyable de découvrir cela après tant d'années de dysfonctionnement répété dans cette école. Autre sujet, celui concernant le devenir de la clinique Hoffmann. Il serait temps de connaître vos intentions sur le devenir de ce bâtiment, car en attendant, cela coûte cher à la ville, puisque les crédits destinés au paiement de la taxe foncière que la ville doit acquitter sur son propre patrimoine a été réévalué à plus de 140 000 euros. Cette hausse est quasiment intégralement due au rachat de l'ancienne clinique Hoffmann. Inutile de vous rappeler que ce quartier a souffert de la fermeture de cet établissement de santé et qu'il serait bon de travailler sur l'implantation d'une nouvelle structure sanitaire ou médico-sociale. Enfin, dans ce contexte sanitaire, votre choix s'est porté sur l'augmentation du budget sécurité de près de 435 000 euros. Plus précisément, plus de 200 000 euros sont prévus pour l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection et 150 000 euros pour la mise en place d'un hyperviseur. La ville est pourtant déjà dotée d'une police municipale importante, une des plus importantes du département, et est équipée déjà d'un certain nombre de caméras. A contrario, que proposez-vous pour répondre à la crise sociale ? Alors que les files d'attente des centres de distribution d'aide alimentaire ne cessent de s'allonger, alors que notre jeunesse, notamment les étudiants, rencontrent d'énormes difficultés, aucune proposition dans ce secteur n'est avancée. Cela ne fait même pas partie des priorités de votre budget. Vous venez de les rappeler en introduction, le domaine des solidarités, manifestement, n'en est pas un. Nous ne sommes pas contre la sécurité. Mais dans la période actuelle, notre groupe aurait fait des choix différents en affectant ces 435 000 euros au secteur des solidarités. Nous avions notamment proposé de travailler sur le déploiement des épiceries sociales et solidaires. Ou encore, la ville aurait pu faire le choix de proposer une diminution de ses tarifs d'activité municipale. Nous refusons que notre ville devienne une ville dortoir où les familles et les retraités doivent consentir parfois de vrais efforts financiers pour leurs loisirs. C'est à ce titre qu'un geste envers, notamment les familles les plus modestes et démunies, aurait eu un sens dans le cadre du projet porté par la ville et par votre nouvelle majorité. Nous constatons également, jour après jour, l'augmentation de la circulation routière et par conséquent de la pollution, dont les premières victimes sont les enfants et les seniors. Pour répondre à cette problématique sanitaire et environnementale, que proposez-vous ?
Quelle nouvelle mobilité pour les mobilités douces ? Aucune, puisqu'aucun nouvel aménagement cyclable n'est programmé sur la voirie communale. Cela nous a été confirmé lors de la commission ressources. Notons quand même quelque chose de nouveau, celui de mettre en place la piétonnisation du centre-ville les samedis. Nous ne pouvons être que satisfaits car cela faisait partie de nos propositions de campagne. Pour notre groupe, le compte n'y est pas. Nous aurions défendu comme priorité l'éducation, les solidarités et la transition écologique. Nous notons que nous avons formulé près de 30 propositions lors du débat d'orientation budgétaire et que malgré votre volonté d'être à l'écoute, peut-être en surface, car dans la réalité, vous n'avez même pas daigné les étudier. Pour conclure, ce budget 2021 est donc celui des occasions manquées. Il est marqué par un sous-investissement important par rapport aux besoins portés par les habitants et ne répond pas aux nouveaux besoins liés à la crise sans précédent que nous traversons. Vous l'aurez donc compris, fidèle à nos valeurs, à nos engagements, nous voterons contre ce budget 2021. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Comme vous l'avez dit au départ, nous sommes une majorité de droite et nous assumons donc le fait d'être une majorité de droite, bien sûr, avec des options, même si sur certains points, nous avons quand même quelques valeurs communes. Vous parlez de la solidarité, mais je pense que ces valeurs de solidarité, elles apparaissent et Mme Provost ne peut pas dire l'inverse auprès du CCAS, puisque journellement, donc, le CCAS est à l'écoute et vient en aide aux nombreuses familles qui sont en difficulté. Je pense que là-dessus, nous n'avons pas à rougir de l'action que nous menons sur la ville. En ce qui concerne la clinique Hoffmann, là aussi, cela fait partie de la solidarité. En effet, depuis quelques mois, nous étudions un projet de réhabilitation de cette ancienne clinique Hoffmann pour en faire un centre médical. Voilà, donc le projet est à l'étude actuellement, parce qu'en effet, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un manque sur le quartier, bien sûr, mais aussi sur Rosny. Donc, vous voyez, je vous rassure, ce projet est à l'écoute. Le plan école, bien sûr, nous maintenons ce plan école avec fierté, et nous continuons, parce qu'il est totalement indispensable, et je laisserai la parole à Mme Awad pour donner des précisions sur ce projet. En ce qui concerne le cadre de vie, là aussi, nous faisons un effort particulier, et je pense qu'en ce qui concerne les voies cyclables, entre autres. Nous maintenons donc le processus de mise en place de voies cyclables, bien sûr, de mobilité douce sur la ville, avec les difficultés que cela peut nous faire rencontrer avec la circulation qui s'accentue, en effet. Bon, c'était les grands axes majeurs pour vous dire que, en effet, nous sommes fiers de ce budget qui met en place justement ce gros effort vis-à-vis du plan école, vis-à-vis du cadre de vie, vis-à-vis de la solidarité, vis-à-vis de la culture et vis-à-vis de la sécurité, qui sont les axes majeurs que les Rhônéens attendent et attendent de nous. Madame Awad, voulez-vous donner quelques précisions supplémentaires quant au plan école ? Oui, merci Monsieur le Maire. Bonjour à tous. Effectivement, on a déjà abordé un certain nombre de sujets sur le plan école, mais je voulais quand même rebondir sur le fait que sur le sujet des études. Alors les études, c'est pas une étude de besoin. On n'en est pas là en fait. C'est une étude de faisabilité technique. Donc clairement, si on n'a pas un projet et une proposition architecturale et technique, on ne peut pas lancer des travaux. Donc on en est là, on n'en est pas à se poser la question de si on va faire quelque chose ou pas et quel est le besoin. Donc voilà où on en est. Et donc effectivement, ces budgets qu'on a pour les études donc sur le Bois-Perrié et sur le secteur sud de la ville, c'est pas simplement pour réfléchir à si on fait quelque chose ou pas, c'est pour lancer des travaux. Voilà, donc on en est là. Donc voilà, ça c'était une première réponse. Et pour effectivement le groupe scolaire Henri Mondor, donc effectivement il y a des manquements du prestataire, mais à qui on applique déjà des pénalités, mais pas que. Donc il y a deux choses. Donc il y a à la fois le système en lui-même qui est assez vieux et donc il faut remplacer. Et puis effectivement il y a des manquements liés à notre prestataire, et la combinaison de ces deux facteurs fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de dysfonctionnements importants, et on en a pris acte, et effectivement on va lancer des choses importantes, et donc on en prend l'engagement sur cette école. Voilà. Merci Madame Awad. Madame Thibault. Oui, merci pour vos réponses. Juste une petite interrogation, oui, sur la question des études. Ça veut donc dire que précédemment, il n'y a jamais eu d'études de faisabilité sur la rénovation du groupe scolaire Félix Éboué.
C'était ça ma question. Ce qui m'est bon, si vous me dites qu'on n'a jamais eu, on n'a jamais eu, mais alors c'est quand même très étonnant parce qu'on en a parlé quand même pendant de nombreuses années. Quand il y a eu notamment les réflexions sur l'arrivée de la ligne 15, ça nécessitait potentiellement des gros travaux, voire la démolition de ce groupe scolaire. Donc je m'étonne qu'il n'y ait pas déjà eu d'études de faisabilité et que du coup, effectivement, vous deviez repartir de zéro pour estimer la faisabilité et le coût de ces travaux-là. Il n'y avait pas de projet prêt, si c'est ça la question. Donc effectivement, il y a eu une réflexion autour de ce groupe scolaire, mais il n'y avait pas de projet qui était lancé. Donc aujourd'hui, on est sur la définition de ce projet. Ok, y a-t-il d'autres remarques, Monsieur Béat, Louis ? Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs qui nous suivez sur Internet, j'imagine. Bonjour. Je fais suite à la critique de votre budget primitif présenté par Magali Thibault, critique évidemment que je partage totalement, mais je voulais juste insister sur un point. Le rapport de présentation du budget primitif 2021 que vous nous avez envoyé, qui a été présenté il y a un instant, souligne dès son propos introductif que les taux d'emprunt bancaire sont historiquement bas. C'est tout à fait exact, mais c'est un peu en dessous de la réalité. En effet, en utilisant le simulateur d'emprunt de la Banque Postale, chacun d'entre vous pourra découvrir que, quelle que soit la somme empruntée actuellement par une collectivité locale, le coût total des intérêts est égal à zéro. Zéro. Donc ça ne coûte rien. Et ça, que l'emprunt soit de quelques dizaines de milliers d'euros ou de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Le montant des intérêts est toujours égal à zéro. Et j'ajouterai également, et c'est important, quelle que soit la durée du prêt, autrement dit, non seulement emprunter de l'argent pour une collectivité locale aujourd'hui ne coûte rien, mais celle-ci peut étaler ses remboursements sur une très longue période, afin de supporter des mensualités de remboursement très basses, qui ne pèseront pas sur les finances de la ville. C'est une situation exceptionnelle qui permet de financer des projets d'avenir. Alors, vous nous expliquez, Monsieur Fauconnet, que vous comptez financer la montée en charge du plan école grâce à l'emprunt. Évidemment, compte tenu des circonstances, c'est une idée intéressante, c'est une idée très intéressante. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres projets possibles pour anticiper l'avenir? Et je dis bien pour anticiper l'avenir. Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. Votre prédécesseur et sa majorité dont, je le rappelle, vous faisiez partie, Monsieur Fauconnet, se sont gargarisés pendant des années de gérer le budget de Rosny-sous-Bois en bon père de famille. Sans risque, donc. D'accord, mais également sans trop d'ambition, notamment concernant le service rendu à leurs concitoyens. Et ce manque d'ambition est clairement illustré par la situation de la ville depuis 2 ans, obligée d'investir massivement dans de nouvelles écoles pour accueillir les enfants des familles attirées par la multiplication des programmes immobiliers. La comparaison entre les années 2017, 2018, 19, 20 et aujourd'hui 2021, budget que vous présentez, est tout à fait éclairante de ce point de vue. Nous sommes passés d'un peu plus de 15 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire de dépenses d'équipement, c'est ce dont on parle quand on parle d'investissement pour une collectivité locale, donc 15 millions d'euros d'investissement en 2017 à plus de 18 millions d'investissement en 2018, puis soudainement à 28 millions d'euros d'investissement en 2019. Dont 13 millions pour le plan école, et encore 25 millions d'investissements en 2020, dont 10 millions pour le plan école. Plan école que vous êtes évidemment obligé de renforcer cette année avec 18,7 millions d'investissements prévus sur un total de dépenses d'investissement de quelque 32,8 millions d'euros. Il y a là clairement la preuve d'un rattrapage en catastrophe que vous êtes dans l'obligation de continuer. La preuve, et chose amusante d'ailleurs, le document de présentation du budget 2018 indiquait que sur les 18 millions d'investissements,
que les 18 millions d'investissements représentaient un niveau le plus élevé depuis 10 ans. Donc c'est la preuve qu'effectivement, les investissements avaient été peu importants pendant une longue période. À l'époque, ce commentaire avait pour objet de valoriser la gestion de la majorité URAM, mais au regard de la suite, il souligne plutôt le manque de vision et d'anticipation du groupe majoritaire et du maire de l'époque. Le rattrapage en matière d'investissement ne faisait que commencer. La soudaine progression des sommes investies depuis 2 ans est la preuve que la majorité de M. Capillon, majorité, je le rappelle, dont vous faisiez partie, M. Fauconnet, cette majorité a refusé d'investir pour maintenir un niveau correct de service au Rhônéen. Et ce, probablement dans le but d'améliorer ses ratios financiers, à croire que les ratios financiers étaient très très dégradés à une époque antérieure. Ça paraît logique, puisque ça fait quand même 38 ans que la droite gère Rhône en direct. Pendant des années, les Rhônéens ont dû supporter les conséquences d'investissements insuffisants. Et l'état de certaines écoles encore aujourd'hui est là pour le prouver. Puis vers la fin du dernier mandat, cette majorité a tenté de se rattraper en catastrophe, mais sans succès évidemment, parce qu'on ne rattrape pas en 2 ans un déficit d'investissement qui court sur des années. Bref, revenons à votre proposition de budget primitif. Compte tenu de l'absence de frais d'emprunt dont bénéficient les collectivités locales en ce moment, nous vous invitons à ne pas renouveler l'erreur de votre prédécesseur. C'est le moment d'anticiper et d'emprunter pour financer l'amélioration du patrimoine municipal afin de réduire les frais et notamment, nous pensons, aux frais de chauffage payés par la municipalité. Chacun comprendra aisément que le renforcement de l'isolation des locaux municipaux et particulièrement des locaux des écoles, outre qu'il améliore le confort des enfants et des utilisateurs tout au long de l'année, permet également de réaliser des économies en hiver. Si vous ajoutez à cela l'installation de panneaux solaires sur les toits, vous obtenez une réduction drastique de la facture d'électricité et un apport de financement avec la vente de l'électricité produite à EDF. Alors s'agissant de panneaux solaires justement, d'autres collectivités locales voisines se sont déjà lancées dans ce genre d'investissement, un investissement d'avenir. Alors je peux citer l'école Waldeck-Rousseau au Lila, dont le toit est équipé de 117 panneaux solaires pour une surface totale de 200 mètres carrés et un coût modique de 75 000 euros TTC. Romainville, Pantin, Bagnolet, là aussi les écoles sont ou vont être équipées de 500 mètres carrés de panneaux solaires capables de produire l'équivalent annuel de la consommation de 40 foyers pour un coût modique à chaque fois puisqu'il s'agit de 120 000 euros TTC. Il y a un projet de centrale solaire sur un collège à Bondy, et un immeuble de logements sociaux, une autre centrale solaire sur un immeuble de logements sociaux à Montreuil. Le retour de ces investissements, de ces équipements, est effectif sur 20 ans. C'est pourquoi nous vous encourageons à être visionnaires et à emprunter sur le même nombre d'années pour tout à la fois améliorer le service rendu aux Rhônéens, permettre une réduction des frais de chauffage grâce à des travaux d'isolation et développer des recettes complémentaires qui augmenteront le budget communal dès la pose de panneaux solaires terminés. Par la même occasion, vous pourriez également tenir les engagements de campagne que vous avez pris en signant le pacte pour la transition présenté aux candidats par l'association Alternadiba. Bref, que du positif. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Béal. En effet, que du positif pour l'avenir. Donc, vos idées, en effet, peuvent être retenues. Et je pense que nous avons justement des équipes qui ont ce souci du sens de l'écologie et de la préservation de l'environnement, des équipes de qualité, donc auxquelles je vais pouvoir faire part de ces propositions qui, en effet, ne resteront certainement pas dans une poche, mais au contraire, pourront être développées sur la ville de Rhône. Monsieur Carrel, je crois que vous vouliez intervenir. Monsieur Capillon. Oui, monsieur le maire. Déjà, je souhaiterais répondre à monsieur Mangon et je regrette vivement la polémique qu'il a essayé d'entamer avec la non-présence des deux élus du RAM lors de la commission ressources. Et monsieur le directeur de cabinet a reçu un mail de ma part le jour même
pour expliquer les raisons de notre absence. Donc je crois que c'était un peu fort d'essayer de lancer une polémique à ce sujet. Revenons au débat. Concernant les études, puisque j'ai été largement cité dans ce domaine, l'augmentation des études me paraît effectivement énorme. 200 000 euros d'études en plus, alors que même les études pour l'école Félix Éboué, notamment la maternelle et l'élémentaire, existent et ont été réalisées. Je rappelle qu'il y a 7 ans, la ligne 15 devait passer sous le bâtiment de l'école élémentaire. Et pour ce faire, il y a des études qui avaient d'ailleurs été financées à l'époque par la Société du Grand Paris. Et lorsque le Premier ministre Édouard Philippe a changé l'orientation pour des raisons économiques, il a fallu reprendre le projet au départ. Et de mémoire, et j'ai eu la confirmation à l'instant, 120 000 euros d'études ont été lancées pour un nouveau projet global concernant l'élémentaire et la maternelle. Donc il est faux de dire qu'il n'y a pas eu d'études. Concernant le budget, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est donc votre premier budget, et notamment le nouveau budget, le premier budget de la majorité qui nous est demandé d'approuver ou de ne pas approuver. Afin de se remettre dans le contexte, il est bon de rappeler les deux éléments forts du ROB, du rapport d'orientation budgétaire, que notre groupe avait souligné. Premièrement, concernant le domaine des recettes, il faut prendre en compte et en considération la volonté politique, votre volonté politique affichée, relative notamment à l'urbanisme, et assumer cette baisse de recettes. Deuxièmement, concernant les dépenses, une hausse significative des dépenses de fonctionnement qui porte atteinte à la capacité d'investissement de la ville. Donc, 3 semaines après le ROB et le DOB, nos craintes se confirment dans ce budget. En effet, nous pouvons constater une forte contraction de l'épargne brute du fait de la hausse des dépenses de fonctionnement. Nous constatons en effet une baisse de 500 KE de la taxe d'aménagement, qui est une recette d'investissement correspondant au permis de construire. Autre contradiction du budget en termes de recettes concernant les droits de mutation. Dans le rapport d'orientation budgétaire, il y a 3 semaines, vous nous dites craindre une perte de dynamisme du marché de l'immobilier qui pourrait entraîner une plus faible progression des droits de mutation, ce qui est tout à fait exact, notamment avec la crise dans laquelle nous vivons, la crise de la pandémie. La progression des droits de mutation. Or, dans le budget, vous reconduisez exactement la même somme qu'en 2020, à savoir 1,5 KE de recettes. Cet optimisme risque de coûter cher en termes de recettes, parce qu'on sait très bien qu'en 2020, les droits de mutation ont dépassé les 2 millions. Il y a fort à parier, malheureusement, qu'en 2021, on se situera plutôt aux alentours d'un million, vu le ralentissement, d'ailleurs, qui est général sur toute l'Île-de-France, mis à part la province qui arrive à garder à peu près son niveau, toute l'Île-de-France est en baisse. L'URAM propose donc un contre-budget basé sur quelques exemples, c'est-à-dire ce que nous aurions fait, car nous respectons la légitimité démocratique de la majorité et il ne nous appartient pas de critiquer ses choix. En revanche, les Renéens doivent savoir ce qu'auraient été nos choix. Concernant les recettes, nous aurions maintenu les recettes publicitaires de Rony Magazine. La réponse qui nous a été faite lors du débat d'orientation budgétaire est totalement fausse, puisque le maire a indiqué dans sa réponse aucun surcoût. Alors, lorsqu'on regarde le budget, il manque réellement 200 000 euros dans le budget concernant Rony Magazine. En ce qui concerne les dépenses, en termes de fonctionnement, nous n'aurions pas rétabli Musécoparc. En effet, ce sont 220 KE nets de recettes dont le coût pourrait être beaucoup plus important en fonction des aléas des recettes. Ainsi, en fonctionnement, c'est déjà 500 KE d'épargne brute que nous aurions dégagé en plus par rapport au budget que vous proposez aujourd'hui. En termes d'investissement, la plupart des investissements ont été lancés sous notre majorité,
dont vous faisiez partie. Nous n'avons donc noté aucun choix nouveau d'investissement par rapport à ceux faits par l'URAM ces dernières années. En revanche, certains choix nous étonnent, notamment sur le patrimoine sportif. Un exemple, nous aurions continué l'opération de rénovation du gymnase et du complexe Lavoisier. Rénovation qui devait se dérouler sur 3 exercices. Le premier qui a vu la réhabilitation totale du dojo Lavoisier. Or, nous constatons qu'aucun crédit n'est inscrit pour l'exercice 2021. Nous nous interrogeons sur une opération dite d'équipement 1104, ville numérique, que nous avions lancée pour une somme de 530 000 euros. Est-ce qu'il est confirmé par l'élu au numérique le chiffre indiqué pendant la campagne des municipales, à savoir 600 000 euros uniquement pour le site Internet? En ce qui concerne les subventions des associations, nous constatons des baisses ou des hausses de subventions à certaines associations. Nous serions intéressés, monsieur le maire, de connaître les critères qui ont permis de proposer ces subventions. Au final, notre contre-budget amènerait à préserver largement les capacités d'investissement de la commune dans les années à venir, contrairement à ce budget qui les obère fortement. Je vous remercie. Très bien. Merci pour ces informations. Madame Awad, vous voulez intervenir ? Oui. Monsieur Capillon, vous avez dit qu'il y avait déjà des études qui avaient été lancées sur Bois-Perrier. Alors, du coup, j'aimerais bien savoir quel type d'études. En fait, la question était plus large. Aujourd'hui, je pense avoir compris la question de Madame Thibault, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer des travaux sans faire d'études complémentaires, sans préparer un projet, etc. Donc, ma réponse aujourd'hui, elle est non. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas... qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une isolation par l'extérieur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quel projet est préparé ? Aujourd'hui, je n'ai pas de projet. Il n'y a jamais eu de lettre de... À ma connaissance, de lettre de mission pour lancer ce projet. Clairement, il y a un besoin d'études pour pouvoir lancer des travaux. Si vous parlez peut-être d'études de sol ou autres, c'est peut-être possible qu'il y ait déjà eu des choses, notamment avec la réflexion sur l'arrivée de la ligne 15, mais on ne parle peut-être pas de la même chose. Donc j'aurais aimé avoir des éclaircissements sur ce dont vous étiez en train de parler comme type d'étude. Voilà. Monsieur Le Floch, merci Madame Awad. Monsieur Le Floch, vous souhaitiez intervenir aussi. C'est incroyable. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Capillon, oui, je voudrais répondre sur votre question sur le numérique. Alors effectivement, pendant la campagne, nous on avait vu les chiffres de 650 000 euros que vous nous avez donné sans vraiment d'explication, nous disant que c'était sur le numérique. Alors j'ai demandé les chiffres. Alors sur le site et sur le GRU, actuellement, nous en avons pour un peu plus de 400 000 euros. Donc, effectivement, ce n'était pas 650 000 euros, mais ce n'était pas non plus 70 000 euros, comme j'ai pu voir sur les pages Facebook de l'ancien élu qui disait que le site était à 70 000 euros. Je vous confirme que nous en avons eu pour 400 000 euros. Alors, on aurait pu en avoir pour beaucoup plus. Il y a eu des rétrocessions qui ont été faites parce qu'il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné sur le site. Actuellement, nous sommes en train de corriger aussi les hébergements. Le site était hébergé dans les pays étrangers, ce qui n'était pas du tout conforme pour nous. Donc, on a rapatrié tout ça. Sur le GRU, l'administration est complètement insatisfaite de ce qui a été mis en place. Donc, nous allons reprendre aussi cette partie. Nous allons sûrement... remettre un autre logiciel pour compenser ce qui a été fait. Voilà, donc je peux vous confirmer que pour l'instant, nous allons bien pour 400 000 euros et nous risquons de réinvestir pour corriger ce qui a été fait. Merci. Merci, monsieur Le Floch. Monsieur Mangon veut prendre la parole. Je voulais dire à monsieur Béal
Tout à l'heure, vous avez justifié le fait que vous étiez pour une augmentation supérieure de l'emprunt par le fait que ça ne coûtait rien à la ville. Or, je suis quand même désolé, les emprunts, même si les taux sont historiquement bas, coûtent à la ville. C'est l'année en 2020, on a eu pour plus d'1 200 000 euros de remboursement d'emprunt. Donc, ce n'est pas négligeable. Et là, les 11 millions, si on prend 11 millions à 0,50, ça fait quand même 55 000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, ne dites pas que plus on peut emprunter, ce n'est pas un problème. De toute façon, ça ne coûtera rien à la ville. Si, il y a quand même des intérêts à régler aux banques. Merci, M. Mangon. M. Béal. Oui, M. Mangon, je ne parle pas d'emprunts qui ont été effectués les années précédentes. Il est évident que les années précédentes, il y avait des taux qui n'étaient pas égaux à zéro. Moi, je vous parle de futurs emprunts. Futurs emprunts constatés comme moi. Allez voir, adressez-vous à la Banque Postale, puisque la Banque Postale a mis en place sur son site internet un système, un outil pour aller vérifier n'importe quelle collectivité locale peut aller voir combien va coûter un futur emprunt. Et je vous assure, vérifiez, faites comme moi, quel que soit le montant, quelle que soit la durée de remboursement, le taux est égal à zéro. Donc c'est la différence entre ce que vous constatez, et qui évidemment c'est un fait, vous avez raison, les emprunts passés coûtent à la ville, forcément, puisqu'il faut continuer de les rembourser. Vous avez totalement raison. Simplement, moi, je vous parle d'emprunts nouveaux qui permettront de financer des opérations nouvelles sur cette année, sur les années prochaines de ce mandat. Profitez-en, cela ne coûte rien. Vous pouvez les étaler sur une très longue période, 20 ans, j'ai fait l'essai, ça ne coûte rien. La banque vous prête de l'argent parce qu'ils ont trop, les banques vous prêtent de l'argent parce qu'ils ont trop de liquidités, ils ne savent pas quoi en faire et ils sont ravis de pouvoir vous le prêter et d'être sûr que vous allez le rembourser sur 20 ans. C'est tout ce que je dis. Mais ceci est un peu technique peut-être, vérifiez, faites comme moi, allez voir la Banque Postale, allez voir d'autres banques, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et puis nous pourrons en reparler si vous le souhaitez plus longtemps. Monsieur Béal, au niveau de l'emprunt, je sais de quoi je parle, et je ne suis quand même pas complètement béotien à ce niveau-là, ayant passé presque de 40 ans dans la banque. Je peux vous dire que l'emprunt qu'on a pris de plus de 10 millions d'euros n'était pas à taux zéro. C'est vrai que vous pouvez aller voir sur Internet et tout, mais quand on a fait l'appel d'offres auprès de 5 banques ou 6 banques, je ne sais plus, en fin d'année, de toute façon, le taux n'était pas à zéro. C'est tout. Et on n'a pas emprunté à taux zéro. Ni à taux... je suis désolé. Et ni à taux négatif, si vous voulez, en plus. Merci, je vous entends bien, monsieur Mangon. Les choses changent, hein, méfiez-vous. Vous le savez très bien. Non, si mais vous attendez, ne me prenez pas pour un vieux con. Les choses changent. Oui, je sais. Mais enfin, je sais aussi aller sur Internet. Je sais lire. Et je peux vous dire que les choses, elles ont beau changer. En fin d'année, quand on a fait appel aux banques, eh ben, je suis désolé, mais on n'a pas emprunté à taux zéro. C'est tout. Très bien. Bien, vous auriez peut-être dû vous adresser à la Banque Postale. Alors. La Banque Postale faisait partie des banques auxquelles on a fait appel. Merci à vous, messieurs. Monsieur Carrel, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues, mesdames et messieurs qui nous regardent à distance, débat d'orientation budgétaire ayant eu lieu le 13 février dernier, l'objet de la délibération de ce matin n'est donc pas de le refaire. Et ceux qui s'essayent à cet exercice se trompent de moment. Comme cela a été très bien présenté il y a quelques minutes, nous nous sommes montrés non seulement à l'écoute des propositions de tous les élus et de tous les groupes d'opposition, mais nous en avons tenu compte, lorsque cela ne relevait pas de la démagogie, bien sûr. Car si un budget se doit d'être volontariste, et je pense que vous avez pu voir qu'il l'est très clairement, il doit également être réaliste, car la gestion d'une commune doit être équilibrée et chaque dépense nouvelle, se doit d'être financée. Et si nous faisons le choix de ne pas accentuer la dette en recourant très fortement à l'emprunt, c'est justement pour ne pas ajouter un risque financier à moyen terme, car il y a un risque identifié de baisse des dotations de l'État avec la crise sanitaire actuelle, avec un effet retard dès l'année 2023. Donc ce que nous empruntons aujourd'hui, il va falloir le rembourser. Et serons-nous en capacité de le faire dans 2 ans ?
Et comme cela a été dit dans une précédente intervention, le coût est déjà visible puisqu'il y a, avec l'emprunt supplémentaire que nous faisons, une dégradation de l'épargne nette. Or, c'est l'épargne nette qui garantit la capacité d'investir durablement et de financer les remboursements. Contrairement à ceux qui proposent de dépenser sans limite ou ceux qui ne s'engagent pas, qui s'engagent à augmenter les impôts et le font le lendemain de leur élection, nous tenons nos engagements sans augmentation de la fiscalité sur les 6 années à venir. Et tenant compte de la crise sanitaire et économique qui touche durement notre pays, nous choisissons volontairement de ne pas augmenter le coût des services publics locaux, hors clause contractuelle, justement pour préserver le pouvoir d'achat de tous les Rhônéens. Autre marqueur fort de la solidarité avec nos concitoyens, sur les repas, l'accompagnement financier des associations rhônéennes. Nous avons voté dans cette enceinte, au mois de décembre dernier, à l'unanimité, une subvention à l'attention du Secours populaire, du Secours catholique, des Restos du cœur et de l'épicerie solidaire, justement pour pouvoir toucher tous les publics rhônéens. Si cela n'est pas un engagement de soutien et de solidarité, il va falloir me l'expliquer comment. Et si vous avez à mener une analyse objective sur les postes budgétaires relatifs au fonctionnement, le poste santé-solidarité est le 5e, avec plus de 2,5 millions d'euros, juste derrière la rémunération des agents, l'éducation petite enfance, les espaces publics et la péréquation. Tant sur les dépenses de fonctionnement, et je voudrais apporter une précision sur le Air Magazine, il n'a pas été dit qu'il n'y avait pas de surcoût, mais que les 19 centimes d'euros englobaient tous les coûts. Que sur l'investissement, le détail a été présenté en toute transparence, comme sur l'éducation, où face aux coûts très importants des nouveaux groupes scolaires, nous tenons nos engagements de campagne et des engagements de rattrapage sur l'entretien, la réfection et la rénovation des groupes scolaires existants. Nous engageons également un plan de rattrapage sur la voirie, la propreté et sur la sécurité de quotidien. Les semaines à venir verront la création d'une brigade de l'environnement indispensable pour assurer la prévention et la sécurisation des parcs de Césarée et du plateau d'Avron et lutter contre les dépôts sauvages notamment qui sont un véritable fléau. Si cela, ce n'est pas le respect de nos engagements de campagne, alors c'est que nous ne sommes plus dans la bonne foi. Car jamais depuis 10 ans, un budget n'avait été aussi volontariste, en somme d'investissement et en préoccupation pour le quotidien des Rhônéens. Jamais un budget n'avait été aussi déterminé au service de tous les Rhônéens, car désormais, cela va se voir dans tous les quartiers que nous agissons. Pour répondre à Mme Thibault, finalisation de la phase d'étude pour la création d'un centre de santé à la place de l'ancienne clinique Hoffmann. C'est lancé. Mise en concertation du secteur du Grand Pré pour un éco-développement urbain. Étude de faisabilité sur un marché à la Boissière et sur le devenir de l'ancienne crèche Lucien Piron. Reprise en main par la ville de la coordination des travaux sur le pôle du Bois-Perrier, avec l'arrivée de la ligne 11 en 2023, la mise en accessibilité du RERE à l'horizon 2025-2026 et l'arrivée de la ligne 15 à l'horizon 2030. Mais également l'évolution des réseaux de bus avec une priorité absolue au 116. Et pour information, nous avons mené des discussions avec Île-de-France Mobilité, la dernière réunion a eu lieu hier, sur les lignes 116, 145 et 603, avec un effet qui pourrait arriver bien avant la mise en place du pôle du Bois-Perrier. Inscription également au plan de relance nationale d'un équipement culturel au Pré-Gentil, transformation de la place Carnot et du square de Sainte-Geneviève, et bien d'autres. Sans compter tous les projets de court terme, que je ne peux lister tellement ce serait long et ce n'est pas l'objet de cette délibération, qui attendent la levée des mesures sanitaires les plus contraignantes pour retrouver la joie de vivre, le plaisir de partager de bons moments, comme Musique au Parc ou les nombreuses animations de rue qui vont arriver. Nous portons un projet politique qui tient compte de l'histoire et de la diversité de notre commune. Voilà ce qu'est la fidélité à la mise en œuvre de nos engagements de campagne pour un mieux vivre ensemble pour ce mandat, tout en étant responsable socialement et écologiquement vis-à-vis de l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Je vous remercie. Merci, M. Carrel. Vous voyez, nous n'avons pas à rougir de ce budget. M. Iskovitch. Oui, M. le maire, juste pour répondre à ce qui vient d'être dit, puisque M. Carrel conteste les propos, j'ai le PV sous les yeux. Vous indiquez, M. le maire, très précisément à la question de Mme Dacosta, c'est à la page 46 du PV que nous venons d'approuver, qu'il n'y a pas de surcoût sur le Rhônie Magazine. Il est écrit également noir sur blanc dans le budget qu'il y a un manque à gagner. Mais c'est un choix que vous faites, et donc ce choix, on n'a pas à le critiquer, nous on dit qu'on ne l'aurait pas fait, de 200 euros annuels sur les recettes de publicité. On peut jouer sur les mots, M. Carrel, un surcoût de 200 000 euros, un manque à gagner de 200 000 euros, c'est la même chose.
vous renoncez à 200 000 euros de recettes. Donc ça veut dire que si les recettes ne sont pas prises en charge par la collectivité pour élaborer ce Ronimag, par les annonceurs, c'est la collectivité qui les prend en charge. Donc c'est un surcoût de 200 000 euros. On peut jouer sur les mots. Nous ne souhaitons pas jouer sur les mots. On critique pas votre choix. On dit qu'on n'aurait pas fait ce choix-là. Donc à un moment donné, vous avez recruté des ambassadeurs contre les fake news et pour faire du fact-checking. Soyons précis. C'est un choix budgétaire que vous faites de renoncer à 200 000 euros de recettes qui pèseront naturellement sur le budget de fonctionnement. Monsieur Pautre. Oui. Bonjour à tous, chers concitoyens, chers collègues. Pour conclure un peu sur le plan école, nous trouvons qu'il est quand même très regrettable que le quartier de Rosny-Sud soit le grand oublié de ce plan en question. Alors, on a bien entendu en préambule votre présentation de projets à venir. Ceci étant là, on est sur le budget 2021. Force est de constater qu'il y a un manque sur ce quartier, alors que les parents ont mis 20 ans à obtenir un plan de relance des équipements qui connaît un coup d'arrêt qui se concrétise par plusieurs problématiques dans ces écoles, dont une, on en a déjà parlé et ce n'est pas une des moindres, qui a fait que des élèves se sont retrouvés pendant plusieurs semaines avec 11 degrés dans la classe. Alors il y a une problématique là qui est connue. Ceci étant, il y avait d'autres problématiques de renouvellement d'équipements qui connaissent un coup d'arrêt au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est pour le plan école. Sur la partie financière, on voit dans votre présentation encore apparaître un emprunt auprès de Dexia. Là, j'aurais voulu connaître un petit peu les caractéristiques de ce financement Dexia, hein, qui est une structure qui a fait couler beaucoup d'encre précédemment. Voilà, merci. Je vais laisser Madame Avoy de répondre concernant le quartier sud, mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une priorité. Nous avons aussi découvert un héritage et le souci qu'il peut y avoir sur l'école Henri Mondor, Pré-Gentil, en effet, c'est une difficulté auquel nous sommes confrontés. Nous mettrons tout en place pour que les problèmes de chauffage soient résolus le plus rapidement possible, en effet. Mais ce sujet est une priorité pour nous et avec Madame Awad, nous sommes en train de travailler sur des projets. Oui, merci. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle quand même de grandes lignes. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque groupe scolaire, mais si vous voulez qu'on rentre dans le détail de chaque groupe scolaire, on peut le faire. Effectivement, sur Rosny-Sud, donc vous avez Henri Mondor et Pré-Gentil Henri Mondor et vous avez donc le groupe scolaire Jean Moulin. Sur Jean Moulin, effectivement, il y a un certain nombre de revendications aussi. Il n'y a pas que sur Henri Mondor, notamment sur le manque d'un sanitaire, le fait de pouvoir aussi un petit peu alléger les effectifs. Donc ça, c'est bien pris en compte. D'ailleurs, on a eu une réunion avec les représentants FCPE de Jean Moulin hier, mais aussi mes collègues référents sur le groupe scolaire Jean Moulin et élémentaire et maternelle. Donc on a eu une bonne discussion sur ce qui allait arriver. Donc effectivement, il y a à la fois une réflexion et des solutions qui sont en cours pour ce sanitaire supplémentaire, pour les solutions à apporter sur la pause méridienne et pour alléger un petit peu la difficulté à ce niveau-là. Donc il y a des choses qui sont en cours et qui sont pour 2021. Maintenant, on est vraiment dans du détail. On n'est pas, on est en train de présenter les grandes lignes du budget. Et effectivement, groupe scolaire par groupe scolaire, si vous voulez en parler, on peut en parler. Donc rien n'a été oublié. Alors sur Henri Mondor, aujourd'hui, effectivement, on était en attente d'un certain nombre de devis et on a des premières estimations qui sont autour de 100 000 euros, il me semble, c'est ça. Donc 100 000 euros pour changer le système donc de chauffage à Henri Mondor. Donc c'est quelque chose qui sera réalisé sur l'année 2021 sans aucune difficulté. Et effectivement, au-delà du débat de qui est responsable et qui ne l'est pas, ce sont des choses qui sont enclenchées et qui seront faites sur 2021. Donc on n'oublie pas du tout ce secteur. Alors effectivement, pour répondre par contre à la densification et sur le fait et le manque de place dans le secteur, c'est quelque chose qui ne se fait pas en une journée et ça vous pouvez, donc c'est tout à fait normal et donc il faut le temps donc d'avoir un projet qui soit bien ficelé, qui soit bien, mais dès que ce projet, et en tout cas on a demandé à ce qu'il soit préparé au plus vite et que les études soient faites au plus vite, dès qu'on a tous les éléments techniques qui nous permettent de lancer le projet, ce sera fait.
Donc on ne prendra aucun retard sur ce sujet-là. On sait très bien qu'il y a une problématique et cette problématique, on en tient compte. Voilà. Merci Madame Awad. Sur l'emprunt d'Exia, Monsieur Mangon, vous voulez rajouter quelque chose? C'est un emprunt classique. Je n'ai rien à rajouter, non. Ben, vous savez, sur le nombre d'emprunts qu'a la ville, il y a 7 ou 8 banques, j'ai autre chose à faire que d'apprendre par cœur le texte de tous les emprunts. Donc on apportera une réponse à Monsieur Poltre la semaine prochaine. Merci. Madame Vavassori. Concernant le développement durable et la transition écologique, je souhaitais préciser à Monsieur Béal que l'association Alternatiba est non seulement concertée, mais elle est complètement intégrée à la constitution du CLDD. Et donc cette association sera à force de propositions et sachez que nous saurons l'écouter. Et nous les avons reçus récemment. Ah oui. Oui, mais d'ailleurs nous les avons reçus cette semaine, oui. Il y a 2 jours très exactement. Oui. Pour toutes ces interventions. Nous allons pouvoir passer au vote. Donc, qui est contre ce budget ? Monsieur le maire, nous sommes 43 désormais, puisque le pouvoir de Monsieur Sababakti est arrivé à 10h20. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, qui est contre ce budget ? 7, 6, 6 et 7, 13. Donc, 41 moins 13. Des abstentions ? Bien, donc ce budget est adopté par 30 voix. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir maintenant voter la fixation des taux d'imposition locaux pour cette année 2021. Je redonne la parole à Monsieur Mangon. Merci, Monsieur le maire. La loi de finances pour 2020 est venue confirmer la suppression de la taxe d'habitation pour 100% des contribuables en 2023. Les 20% de foyers ayant les revenus les plus élevés, qui continueront de payer de la taxe d'habitation jusqu'à sa disparition totale en 2023, verront progressivement leur taxe d'habitation diminuer de 30% en 2021, puis de 65% en 2022, pour en être totalement exonérés en 2023. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. En termes de ressources, la ville ne percevra dès 2021 plus aucun produit de taxe d'habitation. C'est l'État qui percevra cette taxe en 2021 et 2022 pour les 20% de contribuables encore redevables. Un double mécanisme vient compenser cette perte de ressources annuelles de plus de 22 millions d'euros pour la ville. À travers le transfert de la part de taxe sur le foncier bâti, jusqu'ici perçu par le département. Le différentiel étant compensé via un coefficient correcteur qui sera calculé chaque année pour garantir la neutralité dans le temps de ce dispositif. En termes de taux, la loi prévoit que pour 2021, le taux de la taxe sur le foncier bâti applicable est égal au taux globalisé de 36,99 correspondant à l'addition du taux communal 2019-2070 et du taux départemental 2020-16,29. Cette augmentation mécanique du taux n'aura toutefois aucune incidence sur le montant de la taxe sur le foncier bâti payé par les contribuables rhônéens en dehors de la revalorisation forfaitaire annuelle plus 0,2% en 2021. La contribution foncière des entreprises étant par ailleurs depuis 2016 une ressource dévolue à l'échelon intercommunal au profit de l'établissement public territorial GPGE jusqu'en 2020, puis au profit de la métropole du Grand Paris à compter de cette année. La ville ne percevra donc désormais que de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Aussi, le conseil municipal est désormais appelé à délibérer que sur le taux d'imposition de ces deux impôts locaux. Pour 2021, il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux 2020 pour le foncier bâti 36,99 et pour le non bâti 22,47. Merci Monsieur Mangon. Y a-t-il des remarques ? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 7 abstentions. Donc ces taux d'imposition sont adoptés
par 36 voix. Je vous en remercie. Je vais céder la parole à Madame Ventura qui va nous présenter donc la répartition des crédits, des subventions aux associations. Bonjour à tous. Le conseil municipal est invité à approuver l'attribution des subventions aux associations partenaires de la ville. Sont subventionnées les associations œuvrant à l'intérêt général des Rhônéens dans les domaines de la vie communale. Pour 2021, le montant total des subventions s'élève à 3 663 379 euros. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir décider l'attribution des subventions selon la répartition figurant dans l'état joint en annexe. Bien. Y a-t-il des remarques? Nous avons fait en sorte aussi que la vie associative, malgré la difficulté sanitaire qu'elles éprouvent actuellement et le manque d'activité pour nombre d'entre elles, que les subventions soient restées actives et en l'état et leur permettent de pouvoir reprendre leurs activités dès que la situation, bien sûr, sera redevenue meilleure. Des remarques, Monsieur Béal, oui? Oui, Monsieur Fauconnet, avec votre majorité, vous nous assurez adopter une autre façon de gérer la ville de Rosny-sous-Bois par rapport à la majorité précédente. Mais force est de constater qu'en matière de subventions aux associations, vous reprenez les mauvaises habitudes de votre prédécesseur et de ses majorités. Et ce faisant, vous ne nous permettez pas d'oublier que votre parcours personnel est étroitement lié aux majorités qui ont géré la ville depuis 38 ans. Celle de l'URAM et de M. Capillon pendant les 10 dernières années. Alors, vous reprenez en particulier la mauvaise habitude de votre prédécesseur de nous proposer de voter l'ensemble des subventions d'un coup d'un seul. 138 montants différents qui peuvent s'élever à quelques centaines d'euros, mais dont les plus importants s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous sommes donc censés avaliser toutes vos décisions d'un coup sans pouvoir choisir d'en approuver certaines ou d'en contester d'autres. Ce n'est pas très clair tout cela. Je rappelle que, notamment, cette façon de procéder n'a pas toujours été employée à Rosny-sous-Bois. Il y a quelques années, nous votions sur chaque association nommément, ce qui permettait de discuter du bien fondé de chaque subvention. Le mélange des genres a commencé lorsque M. Capillon a souhaité noyer le poisson associatif dans un grand filet où l'on retrouve des associations qui n'en sont pas vraiment, d'autres qui ne sont que des faux-nés d'un service municipal, et toutes celles-là ne devraient pas se retrouver dans ce budget intitulé « Subventions aux associations ». Pour M. Capillon, il s'agissait sans doute de gonfler artificiellement l'effort de la ville en matière en faveur de la vie associative. Malheureusement, vous semblez reprendre ce procédé détestable issu de la majorité précédente. Certes, il est vrai, la majorité à laquelle vous apparteniez déjà. Alors, que trouvons-nous dans la liste des subventions que vous présentez? Eh bien, nous trouvons des coopératives scolaires, écoles, collèges, lycées, montant total de ces subventions ordinaires ou exceptionnelles, 246 374 euros. Alors, c'est très bien, on n'a rien contre financer du matériel pédagogique, des sorties scolaires, des projets pédagogiques, tout cela est parfait. Mais ce budget n'a rien à faire dans les subventions aux associations, puisque c'est un soutien financier de la mairie à la bonne marche des établissements scolaires. Les établissements scolaires n'ont rien à voir avec les associations classiques, gérées et animées par des citoyens qui participent de la vie sociale rhônéenne. Qu'y a-t-il encore dans votre liste? Eh bien, certaines associations qui se substituent à certains services municipaux. Alors, pour mémoire, la première d'entre elles, l'AGG, l'Association de gestion globale, qui, pour ceux qui l'ignorent encore, est l'association qui chapeaute la gestion de deux centres socio-culturels sur les trois que compte la commune, celui des Marnaudes et celui du Pré-Gentil. Le troisième, situé à la Boissière, est lui géré en direct par la mairie et ne perçoit donc pas de subvention. Budget total pour la GG, 625 000 euros. Et pour faire bonne mesure, vous ajoutez à ces 625 000 euros 12 000 euros de fonds de participation aux habitants et 27 000 euros de contrats en fonds.
contrat enfance, fonds de participation aux habitants. On voit bien par là, par ces intitulés, que ces sommes servent à l'action municipale dans certains domaines, social notamment. Mais on ne voit pas pourquoi elles figurent dans la liste des subventions aux associations. Même remarque pour l'association Les Amis du Jumelage, l'Hôtel Social, ou encore des associations dont l'objet est l'aide aux devoirs et qui se substituent là encore également à des services, à ce qui pourrait être des services municipaux. D'ailleurs, je crois que vous nous aviez annoncé il y a quelques conseils municipaux que vous réfléchissiez d'ailleurs en matière d'aide aux devoirs à établir un service municipal. Je crois me rappeler de cela. Enfin, pas souvenir de cela. Alors écoutez, si je me trompe, pardonnez-moi, mais de toute façon, c'est quelque chose qui pourrait figurer dans les services municipaux. Ça se fait dans énormément de mairies. Ben oui, ce n'est pas notre choix dans l'immédiat. Ça passe dans par l'intermédiaire d'associations. Le service peut être extrêmement bien rendu, le problème n'est pas là. Il figure dans votre liste de subventions aux associations, ça n'est pas très logique. Figurent également les établissements privés qui accueillent les élèves renéens, Blanche de Castille, Henri Matisse, Fidélis, toutes ces écoles ne sont pas situées dans le pourtour de Rosny-sous-Bois. Montant total des subventions, 56 900 euros. Ces 56 900 euros, monsieur le maire, ne devraient pas figurer dans cette liste, puisqu'il s'agit d'une obligation légale liée à la loi du 28 octobre 2009 qui garantit la parité de financement entre les écoles publiques et privées sous contrat lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés d'une commune. Rien à voir avec l'effort de la mairie en faveur de la vie associative. Autre exemple d'une association qui ne devrait pas figurer sur cette liste, l'Aéro. Nous sommes très heureux que l'Amicale du personnel municipal reçoive 40 000 euros de subventions. Mais son objet n'est en aucun cas de contribuer à la vie associative renéenne, puisqu'elle fait office de comité d'entreprise pour les agents. Cette somme devrait être portée sur le budget des ressources humaines de la mairie. Je cite pour mémoire l'Association des directeurs généraux de collectivités territoriales et des établissements publics du 93. Bon, vraiment pour mémoire, il s'agit de 200 euros, mais cette association s'apparente plutôt à un outil de travail pour les membres de votre cabinet. Rien à voir avec la vie associative. Bref, le mélange des genres est total et crée un écran de fumée vous permettant, comme votre prédécesseur, de présenter un budget de 3,6 millions d'euros de subventions que l'on pourrait croire dédiées à la vie associative renéenne. Mais ce budget est largement surévalué par rapport à la réalité. En retirant toutes les subventions qui n'ont rien à y faire, on aboutit à un total beaucoup moins glorieux de 2,6 millions. 1 million de moins, grosso modo. C'est déjà un problème. Alors, une fois ce petit travail de clarification effectué, il reste encore à s'interroger sur un certain nombre de vos choix, de subventionner telle association plutôt que telle autre. Rosny-sous-Bois compte en effet quelques 340 associations selon le site de la mairie. En ce début d'année, vous ne subventionnez que 82 associations en comptant très large. Et dans ces associations, je vais prendre un exemple. Je parle de la Confrérie de la Vigne, qui reçoit 9 500 euros pour, je cite, « promouvoir l'activité viticole et organiser une cérémonie d'intronisation des nouveaux membres ». 9 500 euros. C'est-à-dire une somme supérieure à celle que se partagent des associations d'aide aux personnes comme le Secours catholique, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur qui, à eux trois, perçoivent 8 500 euros. C'est un constat qui nous interroge à Rosny Écologique et Solidaire, particulièrement en période de confinement due au Covid, où les besoins de solidarité sont immenses. De même, vous ne donnez que 1 650 euros à l'hôtel social qui héberge des personnes en difficulté matérielle ou psychologique. Bref, il nous semble qu'un maire devrait se donner pour règle de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de ses concitoyens. Ce qui signifie sur cette délibération concernant les subventions aux associations
présenter ses choix de subvention aux associations qui contribuent vraiment à soutenir la vie sociale sur notre commune, et pas faire un mélange de torchons et de serviettes, si je peux me permettre. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à modifier cette présentation des subventions aux associations en supprimant tous les montants qui ne devraient pas s'y retrouver. Et c'est également la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce vote. Bien, très bien, vous vous abstiendrez, c'est très bien. Je pense que nous n'avons pas du tout la même évaluation de la vie associative. Et c'est vous qui faites, je pense, la confusion des genres. Vous nous donnez des leçons sur l'AGG, mais l'AGG, tout le monde sait que cette association existe depuis des années. Voilà, donc vous ne la découvrez pas ce jour. Il y a d'autres associations aussi qui participent activement donc, à la vie locale. Vous faites donc une grosse confusion. Les montants qui ont été attribués, Madame Ventura pourra certainement confirmer, est fait en fonction de l'étude des demandes de subventions faites par les associations. Donc ce n'est pas du bric-à-brac d'un élu ou d'un maire qui a envie de donner telle ou telle somme à telle ou telle association. C'est fait avec les élus en charge, c'est fait avec l'élu à la vie associative et c'est vu ensuite avec le maire s'il y a besoin. Donc ensuite, les disparités qu'il y a, ce sont les disparités dues aux demandes faites par les associations. Voilà. Catherine, si vous voulez intervenir. Non, c'est ça. Alors moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'il y ait certaines associations qui est pour objet l'aide aux devoirs. Alors, une association, quand elle se crée, c'est elle qui porte un projet et on n'a pas à intervenir dessus. Je trouve qu'au contraire, ça vient en complément de moyens qui peuvent être proposés par l'éducation sur la ville. Et je pense qu'il faut encourager justement ce bénévolat. Concernant les subventions, ben, je rejoins ce que dit Monsieur le maire, c'est en fonction des demandes des associations. Toutes les associations de la ville ne demandent pas une subvention. Mais toutes les associations rhônéennes peuvent évidemment demander une subvention. Ce dossier donc est à demander à la MDA. J'en profite à la Maison des associations pour le rappeler, puisque je sais que les rhônéens nous regardent. Les dossiers de demande de subvention sont à demander à la MDA ou sur le site de la ville. Et un dossier de demande de subvention est forcément accompagné de certains documents, le PV d'AG, les comptes, les statuts, la composition, le bilan de l'association, ses projets sur la ville. Les dépôts de dossiers pour information sont jusqu'à mi-juin. Je crois que cette année, pour le budget 2022, c'est jusqu'au 18 juin 2021. C'est la date limite. Et tous les dossiers de demande de subvention sont évidemment étudiés par les directions concernées, par les élus concernés. Et voilà, pour savoir résumer un peu le process et expliquer de manière à clarifier ce process, ce qu'il en est. Merci, Madame Ventura. Bien, je vous propose... Oui, Madame Thibault. Oui, en complément des propos de mon collègue Éric Béal, la question aussi de fond, mais à laquelle vous avez partiellement répondu, c'est ce qu'on demande d'ailleurs depuis 6 ans, et il me semble que c'était aussi quelque chose que vous partagiez, c'était d'être assez transparent, notamment sur les critères qui permettaient de décider de l'attribution d'une subvention et de son montant. Là, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que vous nous dites chaque secteur, chaque élu décide de son côté. Et ben, c'est bien dommage. On pourrait, dans une municipalité, dans une collectivité, avoir des critères communs et aussi avoir des critères en lien avec les priorités de l'action municipale dans un contexte tel que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'on vous demande, c'est de nous présenter quelle est aujourd'hui votre politique associative, les critères et les orientations que vous donnez. Là, aujourd'hui, vous ne répondez pas à notre question. Mon collègue a très bien donné des exemples assez précis dans la disparité sur l'attribution des montants de subventions. On connaît pas mal d'associations rhônéennes. On sait qu'il y a des associations qui demandent des montants et ils ont des montants qui sont moindres. Pourquoi ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Vous savez, une subvention est donnée pour aider une association. Ce n'est pas une obligation de verser une subvention. Donc, les critères, c'est aussi regarder la capacité financière de l'association, voir les actions qu'elle a pu engager, et en fonction des difficultés et du besoin qu'elle a, attribuer la subvention. Ce n'est pas un automatisme. Je crois que nous l'avons répété suffisamment de fois. Ce n'est pas un automatisme. Donc, c'est une étude avec l'association qui permet, en fait, d'envisager la subvention qui doit être accordée. Mais en effet, la déclinaison des critères, Madame Ventura, on pourra vous les donner prochainement. Il y avait Monsieur Pautre, je crois, oui. Oui. Une
remarque concernant l'université populaire avec sa subvention de 30 000 euros qui est maintenue hein, par rapport à la majorité précédente. C'est un point sur lequel on est interpellé par les Rhônéens quant au coût des activités qui sont présentées. Alors, il y avait un embryon de réflexion qui avait été entamé sur la possibilité de mettre en œuvre un principe de gratuité des activités de cette structure compte tenu de l'importance qu'elle revêt. Moi, j'aimerais savoir si cette réflexion est encore à l'ordre du jour et comment on pourrait concourir avec une subvention aussi faible à l'atteinte de son objectif. Merci. Concernant l'Université populaire, c'est une association qui compte 425 adhérents, je vais juste le rappeler, dont 380 rhônéens. C'est pas moindre. Il y a 26 salariés en 2019, dont 3 équivalents, ça fait 3 équivalents taux plein, puisqu'ils sont sur des horaires de cours. C'est 37 ateliers par semaine et des cours individuels. C'est une association qui a, si jamais on devait baisser ou voir la enfin, si jamais on devait donner une gratuité, il faudrait augmenter la subvention de manière conséquente puisque vous avez des salariés. C'est une association en effet pour laquelle il y a des salariés, donc des rémunérations. Et donc, je pense que la subvention est en conséquence aussi de la demande de cette association. C'est la demande qu'ils font. Bien, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? 7. Des votes contre ? Il n'y en a pas. Donc ces subventions sont adoptées par 36 voix. Un grand merci pour les associations et surtout pour les bénévoles qui s'engagent au sein de ces associations parce que ce sont les bénévoles qui font vivre ces associations. Voilà, et c'est important l'engagement de cette vie associative pour la ville, c'est toute sa richesse. Vous le savez bien, c'est celle que nous défendons tous ensemble. Alors, il nous faut maintenant voter une mise à jour du règlement intérieur du personnel de la ville et du CCAS. Comme vous avez pu le lire en effet dans le rapport, le règlement intérieur est mis à jour sur deux points. Le cycle de travail des gardiens de parc, qui feront désormais l'objet d'un cycle de travail spécifique avec une amplitude horaire allant de 8h38 à 20h30 du lundi au dimanche. Sera aussi rajoutée dans ce règlement intérieur une mention concernant le signalement. Donc, conformément à la loi du 6 août 2019, la ville a souhaité se doter d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Ce dispositif s'inscrit dans la volonté de la ville de présenter la santé et l'intégrité physique de ses agents, quel que soit leur statut, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, et sera encadré par une charte qui en présente donc le fonctionnement. Donc, en vue d'intégrer ces deux points, je vous demande de bien vouloir approuver cette mise à jour du règlement intérieur du personnel de la ville et du CCAS. Y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Donc, cette mise à jour est votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous retrouvons au point 5 donc, les traditionnelles créations et suppressions de postes. Donc, pour faire face aux besoins de fonctionnement des services et procéder aux nominations suite aux avancements de grade, aux concours et aux recrutements. Il s'avère donc nécessaire de procéder aux suppressions et créations de postes qui ont été présentées dans la note. Suppression qui concerne la filière administrative, médico-sociale, technique, culturelle, animation, police municipale. Et le comité technique qui a été consulté le 16 février dernier a émis un avis favorable à ces créations et suppressions de postes. Donc je vais passer au vote. Madame Motibo. Oui, juste une explication de vote. On avait effectivement l'habitude de nous abstenir sur cette délibération-là, oui. Puisqu'on n'était pas d'accord avec la stratégie en matière de ressources humaines de l'ancienne majorité, et notamment sur le fait d'avoir une stratégie assez rigide dans le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. On vous a beaucoup interrogé sur ce sujet depuis le début de mandat, et à la commission des ressources, vous m'avez effectivement indiqué que vous ne souhaitiez pas en tout cas appliquer cette stratégie de manière rigide et que vous serez plutôt attentif aux besoins secteur par secteur.
Et donc, voilà, on considère que c'est plutôt une avancée. On sera bien évidemment vigilant sur l'évolution des effectifs tous les ans, mais du coup, on votera cette délibération. Je vous confirme mes propos, Madame Thibault, et je vous remercie de voter donc ce point. Donc, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, ces créations et suppressions de postes sont votées à l'unanimité. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons la mise à jour de la délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et l'engagement professionnel, donc le RIFSET. Par délibération du 24 mai 2018, du 7 février 2019, du 27 juin 2019 et du 15 juillet 2020, notre conseil municipal a adopté la mise en place du RIFSET et en assurait la mise à jour pour les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Dans le cadre de la transformation de deux emplois des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux au tableau des effectifs appartenant au cadre d'emploi de catégorie A, il est proposé donc d'élargir ce dispositif de RIPSEP à ce cadre d'emploi et de mettre ainsi à jour la délibération. Je vais passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Donc, cette mise à jour est votée à l'unanimité. Un grand merci. Je cède maintenant la parole à M. Carrel pour l'avenant numéro 1 au protocole tripartite entre la ville LePT et la Providence de la Maruguet. En 2007, la ville avait approuvé la création de la ZAC de la Maruguet et en 2008 a été conclu un traité de concession donc avec la société anonyme la Providence de la Maruguet. L'année 2019, le transfert de l'opération au profit de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a été acté par avenant et ont été traitées les conséquences juridiques et financières liées au changement de personne publique concédante. Désormais, la ZAC de la Maruguet est pilotée par le territoire Grand Paris Grand Est et sa réalisation est concédée à la société privée de la Providence de la Maruguet. Le traité de concession prévoyait la réalisation d'un square à l'angle des rues de Prévoyance et Jaurès, avec des aménagements de qualité prévus pour durer de nombreuses années. La Société du Grand Paris a informé l'aménageur de la probabilité d'avoir à mobiliser la même emprise pour réaliser des travaux de la ligne 15 Est du Grand Paris Express à compter des années 2023-2024. Au lieu de maintenir la friche actuelle, et pour accompagner l'arrivée des Rhônéens et des commerces voisins, il a été convenu de réaliser un square provisoire en cherchant à éviter les coûts ou éviter des coûts frustratoires. Les équipements réalisés seront ainsi pour la plupart déplaçables pour être installés sur d'autres emplacements le temps des travaux. Le coût pour la ville est ainsi réduit et la somme résiduelle doit être récupérée par la ville. L'objet du présent avenant au protocole tripartite est donc d'acter des conditions spécifiques découlant de l'avenant numéro 6 au traité de concession d'aménagement qui définit les conditions de remise du square provisoire et de son terrain d'emprise par la Providence de la Maruguet, définit les conditions de versement par la Providence de la Maruguet à la ville de Rosny-sous-Bois de la différence entre la somme allouée de 500 000 euros hors taxe et le coût de réalisation du square provisoire de la Maruguet. Si vous avez des questions. Madame Thibault. Oui, c'est pas une question, c'est effectivement pour nous quelque chose qui va dans le bon sens, parce que c'est effectivement une attente très importante des habitants de ce quartier. Donc voilà, c'est une très bonne chose en tout cas. Bien, bah, écoutez, je vous en remercie. Donc nous allons pouvoir passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc cet avenant est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Carrel, je vous redonne la parole pour la session entre la ville et la CEMRO d'une partie du terrain communal cadastré section X95 sur le parc de Nanteuil. Donc, comme vous venez de l'indiquer, monsieur le maire, la ville de Rosny-sous-Bois est propriétaire depuis 1985 de la parcelle cadastrée section X95 parc de Nanteuil et qui est intégrée à l'emprise du Golfe. Dans sa partie jouxtant les restaurants du parc de Nanteuil détenus par la CEMRO, une partie de ce terrain est mise à disposition de cette dernière par convention d'occupation privative. L'emprise correspondante a fait l'objet d'aménagements de terrasses non couvertes par les restaurateurs. Afin de faciliter la gestion des restaurants, la CEMRO souhaite maintenant acquérir ces terrasses, présentant une contenance respective de 115 m² et de 15 m². Suite à leur déclassement et conformément à l'avis formulé par France Domaine, la ville peut céder à la CEMRO ses deux portions de terrain pour une valeur de 240 euros par mètre carré.
Il convient donc d'adopter cette cession moyennant le prix de 31 200 euros. Des questions ? Là aussi une régularisation. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc cette cession est votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je cède la parole à M. Meza pour la fixation des nouveaux tarifs appliqués par le service dentaire au CMS. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Le 8 avril 2019, l'assurance maladie a mis en application la Convention nationale des chirurgiens dentistes approuvée par l'arrêté ministériel du 20 août 2018 et publiée au journal officiel du 25 août 2018. Cette réforme importante rééquilibre les conditions de valorisation des chirurgiens dentistes et les conditions d'accès aux soins dentaires des patients pour les 5 années prochaines. Trois objectifs principaux des nouveaux actes de prévention dentaire. Une forte revalorisation des tarifs des soins courants pour encourager les soins conservateurs. Rendre les soins des prothèses dentaires accessibles à tous. Vous avez trois paniers. Un panier soins numéro 1, tarif plafonné, assurance maladie et la mutuelle s'engageant à rembourser complètement à 100%. Les deuxièmes paniers sont des tarifs plafonnés, assurance maladie et mutuelle remboursent partiellement, reste à charge modéré pour le patient. Et puis vous avez aussi les tarifs libres qui concernent uniquement l'exigence esthétique particulière du patient. Conformément aux dispositions de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la nomenclature, y compris les majorations, sont applicables automatiquement aux centres municipaux de santé dans les mêmes conditions et délais que ceux applicables aux professionnels des santé libéraux. Un exemple, les tarifs en 2020 pour une pose des prothèses amovibles, 415 euros en 2020. En 2021, ça coûtera 310 euros. Vous avez, mes collègues, tout le reste des tarifs. Ça fait à peu près trois pages. J'en passe. Merci, M. Meza. Donc, vous avez en effet toute l'actualisation de ces prothèses, de ces tarifs, des bridges, des adjonctions, enfin, bon, tout est cité, donc avec des variations de prix, pour certaines, des diminutions. Donc, y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Madame Thibault, une question. Oui, c'est effectivement une question que j'ai posée en commission ad hoc sur le CMS. Hein. J'ai obtenu des réponses. Néanmoins, on va avoir une position de vote sur une abstention, puisque ce qui nous dérange dans cette délibération, c'est le panier de soins numéro 3 avec l'instauration de tarifs libres dans un centre municipal de santé, et on considère qu'effectivement des soins d'exigence esthétique ne doivent pas être la priorité d'un centre municipal de santé, notamment eu égard à la population que le CMS reçoit. Donc on s'abstiendra. C'est une obligation. Oui, c'est peut-être parce que voilà. Oui, ça peut être une obligation, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec des arrêtés ministériels. Voilà, donc c'est juste une position de vote. D'accord. Ah, donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 7. 36 voix pour. Merci bien. Madame Ventura, je vous laisse nous présenter donc. Pour le théâtre cinéma Georges Simenon, la demande d'appellation scène d'intérêt national à récréation. Merci, Monsieur le maire. La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France a été attentive au développement du projet musique et cinéma porté par le théâtre et cinéma Georges Simenon, dirigé depuis septembre 2016 par Stéphane Moquet et classé depuis juin 2019 art et essai. Afin de valoriser l'ensemble de ses créations, la ville souhaite déposer une demande d'appellation au préfet de la région pour obtenir du label scène conventionnée d'intérêt national, art et création, musique et cinéma sur la période 2021-2025. L'appellation scène conventionnée d'intérêt national est attribuée à une structure en reconnaissance de la qualité d'un programme d'action artistique et culturelle qu'elle développe, relevant de l'une des trois mentions suivantes. Art et création, pour des projets développant un travail durable, d'accompagnement des artistes et de facilitation de leur création.
art, enfance, jeunesse, pour des projets développant une action culturelle exemplaire dans l'accompagnement de la création jeune public et de son inscription dans les parcours d'éducation artistique et culturelle. Art en territoire, pour des projets développant un volume d'activités artistiques et culturelles allant à la rencontre des populations. Cette appellation, ses conditions d'attribution et le cahier des charges afférents sont définis par un arrêté du ministère de la Culture et de la Communication en date du 5 mai 2017. Elle s'inscrit dans un travail général de redéfinition des labels et du conventionnement dans le spectacle vivant et les arts plastiques opéré par le ministère de la Culture en 2017. Dans le cadre du théâtre et cinéma Georges Simenon, la mention art et création, musique et cinéma est identifiée comme l'axe spécifique. L'appellation est attribuée pour une durée de 4 ans renouvelable. Pour information, une aide de 50 000 euros TTC annuelle sera sollicitée dans le cadre de cette demande de convention pluriannuelle. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à déposer un dossier de demande d'appellation au préfet de région pour l'obtention du label scène conventionnée d'intérêt national art et création, musique et cinéma pour la période 2021-2025. Merci. Merci madame Antura. Donc cette proposition donc permet de valoriser notre salle Georges Simenon. Voilà, c'est un projet que vous avez soutenu, que nous avons soutenu et qui trouve maintenant sa concrétisation et qui va être donc subventionné. Ce qui n'empêchera pas, bien sûr, comme nous l'avions évoqué, d'avoir notre propre présentation de programmation. Voilà. Donc c'est un juste équilibre entre cette programmation et la programmation qui sera faite dans le cadre de cette scène conventionnée. Y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc ce projet est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et merci donc pour la vie culturelle à Rosny. Merci. Je vais vous lire maintenant une note d'information concernant l'actualisation des lignes directrices de la gestion de la ville. Lors de notre conseil municipal de décembre 2020, ont été présentées les lignes directrices de la gestion de la ville. Elles constituent le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la ville. Aujourd'hui, il est proposé un additif à ces lignes directrices de gestion relatif à la politique d'avancement de grade de la ville. La loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l'organisation pour toutes les collectivités territoriales de définir leurs lignes directrices de gestion depuis le 1er janvier 2021. Depuis cette date, avec cette loi, les commissions administratives paritaires au niveau du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, ne sont plus compétentes pour étudier les avancements de grade. Il revient désormais à l'autorité territoriale, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, de définir des lignes directrices de gestion pour l'inscription au choix au tableau d'avancement. Pour mémoire, par délibération numéro 21 du 27 juin 2019 et numéro 3 du 22 octobre 2019, le Conseil municipal de la ville et le Conseil d'administration du CCAS ont adopté les taux de promotion par avancement de grade à 100% pour l'ensemble des cadres d'emploi, excepté pour les agents de police municipale. Par exception aux autres cadres d'emploi, le cadre d'emploi des agents de police municipale n'est pas soumis à l'application d'un taux de promotion pour l'avancement de grade. Afin d'affiner l'outil d'arbitrage des avancements de grade de la collectivité, il convient de déterminer de manière plus précise les critères internes à retenir pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement. Ces critères sont détaillés dans le document qui vous a été joint. Voilà, je vous lis ce document qui n'appelle pas de vote. Alors, maintenant, nous allons pouvoir passer aux décisions municipales. Y a-t-il des questions quant aux décisions municipales ? Madame Bonner. Oui, merci, monsieur le maire. Juste une question concernant la cession de matériel informatique utilisé à l'association Atelier Sans Frontières. C'est très bien. C'était juste, vous savez certainement que le centre socio-culturel des Marnaudes récupère également du matériel informatique et on se demandait donc s'il n'est pas possible d'attribuer au moins une partie de ces matériels à celui-ci pour qu'il profite directement aux Rosnéens. Merci. Je passe le message à madame Ellis. Voilà, donc vous avez entendu le message. Vous voyez ça avec le centre social des Marnaudes, ainsi que M. Riccardi, s'il y a la possibilité de le faire. Oui, M. Béal.
Oui, monsieur le maire. Je note qu'il y a encore des conventions de mise à disposition précaire de terrains communaux, etc. J'ai reçu tout à l'heure sur ma table un courrier de votre part concernant effectivement des questions dans ce domaine que je vous avais posé. Donc je vous en remercie. Je vais en prendre connaissance et puis éventuellement je vous demanderai des précisions s'il y a lieu. Mais je vous en remercie déjà de m'avoir donné ces réponses. J'ai une question concernant la décision 26-2021, convention de mise à disposition conclue entre la ville et une association qui s'appelle COS Établissement SAMSA, et on leur met à disposition 6 emplacements de parking. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette association qui a besoin de 6 emplacements de parking? Oui, tout à fait. Moi, c'est ne suis pas d'un naturel méfiant, mais quand même, c'est surprenant comme demande. Non, c'est l'établissement COS SAMSA 93, qui est donc à Rosny-sous-Bois, est un établissement de la catégorie service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, il est situé rue de Lisbonne. Et il dépend de la fondation COS Alexandre Glasberg, qui est domiciliée à Paris. Donc, c'est une association d'utilité publique. Voilà, et donc, cette association, pour son personnel, a besoin de place. Merci. Merci beaucoup. Madame Thibault. Oui, je souhaitais évoquer la décision municipale numéro 48, page 1. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter de la situation du campement Rome situé rue Raymond Poincaré lors des précédents conseils municipaux. Nous tenons à vous relancer sur les démarches relatives à l'installation d'un point d'eau potable. En effet, le tribunal administratif de Montreuil, dans une décision rendue le 15 février 2021, a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Rosny-sous-Blois que soit assuré l'approvisionnement régulier en eau potable des habitants du bidonville de la rue Raymond Poincaré, ainsi que de l'installation de sanitaires, latrines et douches, et ce dans un délai de 48 heures. Malheureusement, nous constatons que les habitants du bidonville ainsi que le collectif d'habitants et d'associations que cette ordonnance judiciaire n'est toujours pas appliquée à ce jour. Pas plus qu'ils ne soient informés d'un calendrier de mise en œuvre de cette injonction, alors même que l'ONG Solidarité Internationale, chargée par la préfecture d'un appui technique pour ce chantier, assure qu'il n'y a pas de difficulté technique à fournir très rapidement un accès à l'eau potable dans le bidonville. Nous nous inquiétons donc que les institutions garantes des principes républicains, la municipalité et la préfecture, mais ici nous sommes au conseil municipal, n'appliquent pas l'ordonnance du tribunal administratif du 15 février 2021. Monsieur le maire, la municipalité de Rosny-sous-Bois compte-t-elle appliquer les décisions de justice? Si oui, dans quel délai? Ou se pense-t-elle au-dessus des lois? Nous nous en inquiétons. Merci. Je rappelle que cette décision de justice concerne à la fois les services de la préfecture et la ville de Rosny-sous-Bois. Donc la répartition se fait entre préfectures. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, non, mais je le répète, je le redis quand même pour vous en informer. Et Madame Bavassori, vous avez donc des éléments supplémentaires à nous apporter concernant cela. Donc en effet, les décisions de justice vont être appliquées. En ce qui concerne l'installation des toilettes chimiques, ils vont être installés donc cette semaine, en tout début de semaine, très certainement mardi ou mercredi. Et en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, c'est un petit peu plus compliqué. On rencontre des soucis techniques, hein, donc il va falloir attendre un petit peu, mais c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Merci. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions sur ces décisions municipales? Non. Bien, je passe au vote. Y a-t-il... Non, il n'y a pas. Oui. Oui, pardonnez-moi, oui. Monsieur le maire, je réagis encore. On a vu la mise à disposition précaire sur un emplacement de parking pour une association, et c'est très bien. Et là, je vois la mise, la même chose, disposition précaire conclue entre la ville de Rosny-sous-Bois et des époux relative à un emplacement de parking. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Pour quelles raisons ça, ces personnes, estimables sans doute... Quelle décision? Quel numéro? Pardon, c'est la 45-2021. Pour quelles raisons ce couple? Parce que ce sont, je suppose, des emplacements villes qui ne nous sont pas nécessaires et que certainement des propriétaires nous ont sollicité pour pouvoir mettre ces places de stationnement à disposition. Mais je vous apporterai de plus amples renseignements parce que là, je n'ai pas cela en tête. Bon. Voilà, je vous le dirai.
Encore une fois, hein, moi je me pose des questions sur la façon dont un certain nombre de personnes, là par exemple, peuvent éviter. Ce sont des places qui sont disponibles, donc autant. De payer un emplacement de parking privé, etc. Ils payent. Non, mais c'est pas sans redevance. Oui, enfin, c'est toujours une redevance très très minime. Enfin bref. En fait, si je peux apporter une petite précision, c'est une place dans une copropriété privée. Excusez-moi, avec le sans le masque, c'est mieux. C'est une place dans une copropriété privée qui n'est pas utilisée et que l'on que l'on met à disposition d'une personne physique. Très bien. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc ces décisions sont votées à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons deux questions diverses. Je vais laisser la parole à Madame Seban. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, je souhaite revenir quelques instants sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui est menée dans notre ville et à laquelle nos concitoyens sont, je le sais, très sensibles. Ce matin, des opérations exceptionnelles de vaccination ont commencé dans les 20 centres de vaccination du département. Sur les 51 000 doses de vaccin Pfizer acheminées pour ce week-end en Île-de-France, la Seine-Saint-Denis en recevra près de 5 500. On le voit, une course contre la montre s'est ainsi engagée à l'échelle nationale et départementale afin de vacciner en priorité nos aînés de plus de 75 ans. Je sais à quel point les attentes sont fortes, alors que notre département est un des plus touchés d'Île-de-France par l'épidémie. Je sais à quel point nos aînés sont impatients. Mais je crois que nos concitoyens peuvent être rassurés. Notre ville est prête à accueillir ces doses supplémentaires. Dès le 18 janvier, un centre de vaccination en mairie était d'ores et déjà opérationnel. Vous l'avez rappelé en début de conseil municipal, monsieur le maire, une demande de dérogation a été formulée ces derniers jours auprès de l'ARS afin que notre centre de vaccination puisse ouvrir dès lundi prochain avec le vaccin AstraZeneca en attendant le Pfizer ou le Moderna. C'est ainsi plus de 500 doses par semaine que notre ville pourrait ainsi administrer aux Ronéennes et aux Ronéens âgés de plus de 50 ans et plus. Un centre d'appel est par ailleurs déjà prêt à rouvrir avec le personnel de la ville pour recontacter les 1000 personnes qui figuraient sur liste d'attente. Je tiens aujourd'hui à saluer votre transparence, monsieur le maire, mais surtout votre proactivité sur le sujet. Au nom des Ronéennes et des Ronéens, je tiens ainsi à remercier l'ensemble des agents de mairie et du conseil départemental, les pharmaciens, les médecins de ville, mais aussi les infirmiers pour leur mobilisation sans faille dans la mise en place de cette campagne de vaccination massive. Nous sommes sur la bonne voie, continuons ainsi. Merci beaucoup. Merci Madame Seban, ces propos nous rassurent. En effet, nous étions quand même très, très en alerte par rapport à l'arrivée de ces vaccins. Vous le savez, vous l'avez dit, donc les Ronéens sont très en attente. Après une période d'observation et même de refus de vaccination, maintenant nous sommes confrontés à une demande réelle. Donc si nous pouvons vacciner un maximum de Ronéens, de Ronéennes et de Ronéens, ce sera vraiment quelque chose de très efficace. Et je dis un grand merci à tous ceux qui participent à cette campagne de vaccination. Merci Madame. J'ai une question de Madame Thibault. Oui, merci. La question diverse concerne l'avenir du chemin des Soudous. On a été sollicité par le président du conseil syndical du chemin des Soudous suite aux nombreux mails qui vous ont été envoyés et qui, sauf erreur de notre part, sont restés sans réponse dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Coteau-Beauclair et des travaux de la ligne 11. Qui engendre pour ses riverains de nombreuses nuisances. Le conseil syndical souhaite connaître les intentions de la municipalité sur le devenir du chemin des Soudous, dont une partie appartient à la copropriété citée ci-dessus. J'en profite pour vous dire qu'ils ont effectivement sollicité le conseil départemental. Je les ai reçus avec les services pour connaître aussi nos intentions sur l'aménagement du boulevard Gabriel-Péri. On leur a indiqué qu'effectivement, il y allait avoir des études qui vont être entamées avec certainement une fin programmée d'ici l'été 21, que ces études seront bien évidemment soumises à concertation avec vous, monsieur le maire, et vos services, ainsi qu'avec les habitants à travers plusieurs réunions de concertation. Néanmoins, d'autres sujets concernaient les responsabilités de la ville. Donc, dans le cadre du futur aménagement de ce quartier, la municipalité a-t-elle l'intention de procéder au rachat-préemption de la totalité de la parcelle du chemin des Soudous ?
Il y a une rumeur qui court dans le quartier, néanmoins c'est toujours mieux de pouvoir indiquer réellement ce que la municipalité compte faire officiellement. Et envisagez-vous d'organiser une réunion de concertation avec les riverains pour échanger sur les futurs aménagements ? Merci de votre question. Je précise qu'avec Mme Vavassory, nous avons participé à une réunion justement avec les riverains et des copropriétaires donc concernés il y a quelques semaines. Suite à ça, en effet, des questionnements nous ont été posés. Je veux dire, le retour, nous allons vous l'apporter. L'opération d'aménagement de la ZAC Coteau-Beauclair est désormais pilotée par le territoire de Grand Paris Grand Est et concédée à la SPL Paredev. La SPL Paredev assure dans ce cadre la conduite des études programmatiques permettant le bon fonctionnement des aménagements réalisés ou projetés. Ces études portent aujourd'hui sur la deuxième phase de l'opération et notamment sur la définition du parc habité, dont les logements devraient pour partie être desservis par le chemin des Soudous. Ce chemin est dans sa très grande majorité public, mais dans sa partie côté Gabriel Péri est, comme vous le mentionnez bien sûr, effectivement privé et du ressort d'une des deux copropriétés voisines. Il existe donc déjà une servitude d'accès pour permettre le passage des véhicules. Pour autant, et lors de ses premières études, la SPL a relevé que la configuration du chemin n'était à cet endroit particulier que peu sécurisée, et elle travaille donc sur des propositions d'amélioration des aménagements. Et Mme Vavassory, vous avez participé d'ailleurs à une réunion à ce propos avec les riverains. D'ailleurs, si je peux me permettre, Monsieur le maire, effectivement, une réunion va être programmée très prochainement donc avec les différentes copros afin de leur proposer plusieurs scénarios. En effet, donc, nous pouvons aussi vous préciser qu'il n'est pas prévu à ce jour que la ville acquiert cette emprise, mais si son propriétaire le demandait, une offre à la valeur domaniale pourrait être formulée et je vous en tiendrai informé lors d'une prochaine séance d'un conseil municipal. Mais donc, Mme Vavassory vous confirme en effet que ce travail est à l'étude et que la rencontre avec les riverains se fera dans les prochains jours. Merci. Je vous en prie. Bien, écoutez, notre conseil municipal est donc terminé. Je vous remercie encore de votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine à venir. À bientôt.